accepte de laisser son véhicule en stationnement devant les aérogares. Cette fille est innocente, ça paraît clair. Oui, ça on le sait. Alors dis-leur que c'est pas pour moi. Nick, il faut que ça soit réglé jeudi prochain et débrouille-toi pour que ça se passe à Boston, là où il crèche. Rendez-vous samedi à Londres. On fêtera l'événement avec une bonne bière. Monsieur Toomey ! Monsieur Toomey ! Dieu soit loué, vous êtes encore là. J'ai vérifié les chiffres de votre opération boursière d'avant-hier. Et il s'avère que vous n'avez pas gagné 43 millions de dollars. Vous les avez perdus. Oui, je sais. Vous le savez? Bien sûr, je suis à la tête du département des titres à la bourse. Je vous téléphonerai de Boston. Monsieur Toomey, vous ne pouvez pas aller à Boston. Oui, c'est vous qui avez autorisé toutes les transactions de cette opération. Les administrateurs vont vous crucifier. Je sais, c'est pourquoi je dois m'en aller. Soyez gentil, détendez-vous, mon vieux. Tout se passera très bien. En fait, c'est une affaire merveilleuse. Il y a quelque chose de bizarre dans la tête de cet homme, Tati. Tu me raconteras ça dans l'avion. Maintenant que j'ai fait le taxi pour toi, tu peux peut-être me dire pourquoi tu files à Boston. Je t'en prie, Doris, je ne te dirai rien du tout, alors n'insiste pas. Ça te ressemble pas, t'envoler pour une ville inconnue sans en expliquer les raisons à ta meilleure amie. Mais ça rime à quoi, tout ça? Embarquement immédiat. Oh, déjà, c'est mon vol. Il faut que j'y aille. Tu vas me manquer. Oh, c'est pas drôle. Pourquoi tu... Oh, excusez-moi, désolé. Salut. Ouais, salut. Oh, c'est pas vrai. Ces indicateurs de pression nous font décidément la gueule. Ça m'inquiète, cette perte de pression. Ne t'en fais pas, les mécanos vont regarder ça. C'est leur problème, maintenant. Désolé, Danny, je trouve ça inquiétant. Tu sais bien ce que le système peut causer s'il explose. On n'est pas là pour abîmer le portrait des passagers. Ah, et puis j'en sais rien. Peut-être que je devrais penser à prendre un congé. Commandant Engel? Oui, si c'est pour la fuite, je peux pas vous répondre. On n'a pas encore trouvé d'où elle provient. C'est pas au sujet de la pression, commandant. C'est... Enfin, j'ai besoin de vous parler seul à seul, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Allons dehors, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça rime à quoi, ce petit jour? C'est à propos de votre femme. Ma femme? Oh! Vous voulez dire mon ex-femme? On est divorcé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a été victime d'un accident. Nous pourrions peut-être en parler dans mon bureau. Parlez-moi, Danny. Elle est grièvement blessée. Elle est morte? Oui. Je suis désolé. Un feu s'est déclaré dans son appartement. Ça va aller, commandant? Oui. Ça fait un choc, c'est tout. On a un avion qui part pour Boston dans 3 minutes. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Entendu, je file à Boston. Allons-y. Le vol a l'air complet. Oui, en effet. Quelle est la météo du jour? Il y aura des nuages à 20 000 pieds au-dessus des grandes plaines jusqu'à Boston. On a aperçu quelques traits de lumière de l'aurore boréale au-dessus du désert Mojave. Des jets d'électrons solaires? Au-dessus de la Californie, à cette époque de l'année? Pourquoi pas, le temps nous a vraiment tout fait cette année. J'ai demandé un hublot, j'aimerais que vous respectiez mon choix. Enfin, oui, regardez, c'est sûr, écrit monsieur. Ici. Je veux un hublot et rien d'autre. Allez voir avec l'enregistrement. Non, c'est vous qui allez voir avec l'enregistrement, car c'est à vous que je pose la question. Ma place a été enregistrée, donnez la voix. Chaque vol, il y a un casse-pied. Oui, il y en a toujours un. Bienvenue à bord de ce vol de la compagnie American Pride. Nous vous rappelons qu'aucun bagage ne devra gêner l'accès au des bagages encombrants, adressez-vous à une de nos hôtesses. Elle trouvera toujours un moyen de placer votre bagage. Nous vous en remercions par avance. Bien.
Je vais vous laisser, commandant. Faites bon voyage. Et toutes mes condoléances. Je vous remercie. Excusez-moi. Pardon, madame. Bien reçu, vol 29. Autorisation de décoller confirmée. Bon vol, mon monsieur. Traversons les montagnes rocheuses en direction de Denver. Nous atteindrons Saint-Louis, nous volerons au-dessus de la Caroline du Nord. Pour enfin atterrir à Boston, nous aurons tout le loisir de vous détendre et de vous reposer un peu. Je vous souhaite un agréable vol et vous remercie d'avoir choisi American Pride. Tante Vicky, je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Tante Vicky? Tante Vicky? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? Je suis désolée, mais ma tante est partie et je suis aveugle. Il y a quelqu'un par ici, non? Il y a personne? Je vous en prie, allez, répondez-moi. Il y a personne, aucun passager. C'est rien, calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a plus un seul passager, ils sont tous partis. Comment ça, il n'y a plus de passagers, ils sont tous partis? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a fait une escale pendant que je dormais et tous les autres ont filé? Où est ma tante? Je veux ma tante, vous entendez? Où elle est? Oui, oui, on va la retrouver. Comment tu t'appelles? Dina. Je ne trouve pas ma tante, je suis aveugle. Je me suis réveillée et son siège était vide. Qu'est-ce qui a crié? Il y a un pépin avec l'avion, commandant. Où sont les autres passagers? Qu'est-ce qui vous arrive? On est à Boston, déjà? Je veux ma tante, tout de suite! Tante Vicky! Tante Vicky! Hé! Tante Vicky! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, ici? Personne ne peut dire à cette sale monte de la fermer! Tu n'es pas toute seule, il y a d'autres passagers, tu les entends pas? Évidemment que je les entends, mais où est tante Vicky? Et qui a été tué? Tué? Qu'est-ce qui s'est passé? On a tué quelqu'un? L'avion a été détourné? Non, personne n'est mort, rassurez-vous. J'ai senti ses cheveux. Quelqu'un lui a arraché les cheveux. On est plus de 10. On est 10 avec vous et un autre type qui dormait en première classe. Où est passé l'équipage? Quelqu'un sait quelque chose? Non, non, je n'ai rien pu trouver encore. Restez avec la petite. Très bien, d'accord. Mais dites-nous ce qui se passe. Revenez avec des réponses. Rien, calmez-vous. Calmez-vous. Tout va s'arranger. Vous êtes... Hey, les gars, vous ouvrez? Hello? Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Vous croyez que l'avion a fait escale et que les autres passagers sont descendus? Ça, je n'en sais rien. J'ai piqué un somme. Vous êtes enseignante? Oui, en effet, ma chérie, j'enseigne au collège.
Comment tu sais ça? Votre voix. Madame Lee, mon professeur au collège pour aveugles, elle a la même voix que vous. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller voir ce que fait notre ami. Je veux savoir pourquoi il ne reste que 10 passagers. Et je veux le savoir tout de suite. Bien. Je crois que tout le monde se pose cette question. Tu as dit tout à l'heure que tu avais senti les cheveux de quelqu'un. Qu'est-ce que tu entendais par là? Devant, plus loin, sur un des sièges. J'ai touché des cheveux. Ah non, c'est... ça c'est une perruque. Ce ne sont pas de vrais cheveux. C'est ce que tu as touché. Qu'est-ce que vous voyez? Rien du tout. Juste des montagnes et la nuit noire. Hello. Hey, ouvrez les gars, ouvrez! Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'équipage a disparu avec les autres? Oui, enfin, j'en sais rien. Ils répondent pas. Et la porte est fermée de l'intérieur. C'est ennuyeux, ça. Désolé de vous avoir fait peur. Nick Hopewell. Je suppose que la casquette de pilote que j'ai vue sur l'un des sièges de première classe vous appartient, non? Oui, en effet, commandant Engel. Mais étant donné les circonstances, vous pouvez m'appeler Brian. Je vous appellerai notre sauveur si nous trouvons ce que nous devrions normalement trouver derrière cette porte. Bien. Ben c'est discuté, passons aux actes. Alors. Voyons ça. Comment une personne peut-elle disparaître tout en laissant sa perruque sur son fauteuil? Voilà une histoire pour le moins mystérieuse. C'est un appareil dentaire. Ça m'en a tout l'air. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'attends. Sortez de là-dedans, vous. Qu'est-ce que vous fichez là-bas? Je voudrais savoir ce qui se passe dans cet avion. C'est très simple. On est sur le point de casser la porte du cockpit. Il semblerait que notre équipage se soit éclipsé avec tous les autres. Mais nous avons beaucoup de chance. Il se trouve que notre nouvel ami est pilote. Vous travaillez pour American Pride, nouvel ami? Oui, en effet. Mais je crois que ce qui est important... Non, c'est moi qui vais vous dire ce qui est important. Non, c'est moi qui vais vous dire ce qui est important. Écoutez-moi bien. J'ai une réunion à Boston au Prudential Center à 9h ce matin, pas l'après-midi, à 9h précise. C'est tout ce qu'il y a d'important. J'ai choisi de voyager sur votre compagnie. J'ai réservé ma place, je vous ai accordé ma confiance et je n'ai pas l'intention de manquer mon rendez-vous. Non, laissez-moi faire. Et moi j'ai 3 questions pour vous. Question numéro 1. Qui a autorisé une escale tout à fait imprévue sur cette ligne pendant que je dormais? Question numéro 2. Où cette escale a-t-elle eu lieu? Et question numéro 3. Pourquoi a-t-on fait escale? Vous avez déjà vu Monsieur Spock dans Star Trek? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie encore? Si vous ne fermez pas votre entonnoir d'ici peu, je serai ravi de vous faire la démonstration de sa célèbre prise pour endormir les gens. Non mais dites donc, vous, on ne me traite pas comme ça? Vous ne savez pas à qui vous parlez? Oh si, je le sais. Vous êtes un pauvre type très antipathique qui cache sa peur derrière son agressivité. Il n'y a pas de mal à ça, mais je vous en prie, un peu de sang-froid. Écoutez-moi doucement. Waouh, c'est pas très cool ça. Je peux vous le casser, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque, croyez-moi. J'ai dit que je pouvais casser votre nez. Faites-moi savoir si vous avez saisi. Oui. Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps de discuter de vos rendez-vous d'affaires, alors vous allez me faire le plaisir de rentrer dans votre cabine avec le gentil monsieur au pôle oreiller.
Don Gaffney. Monsieur Gaffney vous servira d'escorte. Une fois que vous serez arrivé dans la cabine principale, vous vous assiérez sur votre siège. Vous bouclerez votre ceinture bien solidement autour de votre taille et vous fermerez votre clapet. Est-ce que vous avez tout saisi? Montrez-moi que vous m'avez compris en levant votre jolie mimine. Ah, eh bien voilà. Je vais maintenant vous laisser, vous et votre nez. Mais attention, si jamais vous prononcez un seul mot, une seule syllabe, je vous promets de vous donner une entrée gratuite pour aller explorer le royaume de la douleur et de la peine. Espèce de... S'il vous plaît, monsieur. Il rigole pas, vous savez. Je vais vous raccompagner à votre place. Vous êtes une espèce de... Oh, arrêtez. Venez avec moi. Allez, venez. Allez. On va voir ce qu'on peut trouver pour votre nez. Bon, allons-y. Allons ouvrir la porte du cockpit. L'avion vole sans aucun pilote. Les pilotes ont dû fuir très rapidement. Regardez ça. Si vous voulez des montres, allez-y, c'est pas ça qui manque, il y en a des tonnes dans la cabine principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Des montres, des bijoux, des lunettes, il y a même des sacs à main. Mais le plus bizarre, c'est qu'il y a aussi... Il y a aussi des trucs qui viennent vraisemblablement de l'intérieur des passagers. Et j'ai vu des prothèses, des pacemakers. Vous savez, j'en suis arrivé à la même hypothèse que notre agité du bocal qui nous a contraints à nous fâcher tout à l'heure. Je me suis dit que l'avion avait été obligé de se poser quelque part. Et qu'ensuite... La plupart des passagers et l'équipage étaient descendus à cette escale imprévue. Non, il n'y a pas pu y avoir de décollage pendant que nous dormions. Cet avion peut voler en pilotage automatique, mais il faut un être humain pour décoller ou atterrir. Alors où sont les passagers et le personnel navigant? Ça, j'en sais rien. Mais j'ai bien l'intention de trouver. Vous voulez me passer les papiers, là? Notre altitude est correcte, elle est de 37 000 pieds. Nous suivons notre cap. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde où se trouvent les aéroports les plus proches. Denver Center, ici l'American Pride, vol 29. Est-ce que vous me recevez? Terminé. Denver Center, répondez, je vous prie. Ici l'American Pride, vol numéro 29. Nous avons de gros problèmes. À vous, terminé. Alors, dites-nous ce qu'il y a. J'ai pas de contacteur radio. Je reçois rien du tout. Mayday, Mayday, ici l'American Pride, vol numéro 29. Nous vous demandons de l'aide, il y a urgence, répondez-moi. Unicom, ici l'American Pride, vol numéro 29. Vous demande un contact radio, c'est urgent. Terminé. Denver, répondez. Répondez, je vous prie. Ici l'AP, vol numéro 29, vous me répondez, oui ou merde? Calmez-vous. Ce signal n'aboie plus non plus. Qu'est-ce qu'il fout en dessous? Il y a une guerre nucléaire ou quoi? Attendez, dites-moi ce que vous entendez par « le signal n'aboie plus ». C'est simple, la tour de contrôle de Denver ne reçoit rien. Plus rien au niveau de la réception des signaux de détresse. Unicom, qui donne des autorisations aux petits aéroports, ne bronche pas non plus. Nous avons une bande de fréquences très performante. Ils devraient sauter sur nos fréquences comme un loup lâché dans une bergerie, mais je ne capte plus rien du tout. La balise VOR qui est à Denver, je ne la reçois pas non plus. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'on n'a plus de radio.
Plus de radar, de radio, navigation pour rejoindre Denver. Et mes instruments de bord ne signalent rien d'anormal. Je ne comprends pas, c'est incroyable. Jeune homme, tu veux bien aller regarder sur la gauche de l'avion et me dire ce qu'il y a en dessous de nous? Les instruments m'indiquent qu'on ne doit plus être très loin de Denver maintenant. Rien du tout dehors. Rien. Denver n'a plus de lumière, c'est ça? Ouais. Ou alors elle s'est volatilisée. Que tout le monde rejoigne sa place, nous avons besoin d'un peu de calme et de silence. On n'a pas dit un mot depuis tout à l'heure. Venez, il a raison. Rejoignons nos places. Le commandant a beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous faites? J'utilise la bande de fréquences militaires. Les fréquences radio militaires sont impossibles à couper. Alors, il y a du nouveau? Le commandant et le passager anglais essaient de contacter un aéroport par radio. Il serait bon de nous présenter les uns aux autres, vous ne trouvez pas? Je suis Bob Jenkins, j'écris des romans sur le mystère. Je suis l'auteur d'une bonne quarantaine de livres. Aucun d'entre eux n'est aussi étrange que ça. Moi, je m'appelle Laurel Stevenson et je suis professeur dans un collège de la San Fernando Valley. Et ce sont les premières vacances que j'ai décidé de prendre en 8 ans. Ça ne va pas, Dina? Moi, je m'appelle Dina Bellman, et j'ai pris cet avion pour aller me faire opérer des yeux à Boston. Après l'opération, je verrai à nouveau. Enfin, probablement, c'est pas sûr encore. Les docteurs ont dit qu'il y avait 70% de chance pour que je retrouve un peu la vue, et 40% de chance pour que je la retrouve totalement. Albert Kostner. Je vais à Boston pour travailler dans une école de musique. Je suis violoniste. Moi, c'est Bessany Sims. Je voulais m'aérer un peu la tête et passer quelques jours à Worcester, chez ma tante. Mais je crois que là... Et vous, monsieur, quel est votre nom? Et vous, monsieur, vous vous appelez comment? Don Gaffney. Et qu'est-ce que vous faites? Je peins des avions et je fais de la manutention pour Hughes Aircraft. J'ai pris l'avion pour Boston pour aller voir ma première petite fille. Parfait. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir nous poser la question du jackpot. Où est-ce que les autres passagers sont allés et pourquoi ne sommes-nous pas partis avec eux? Contrôle de l'armée de l'air, ici l'American Pride, vol numéro 29, vous me recevez, terminé. Cette liaison est rompue, elle aussi. On est tout seul, abandonné. Complètement. Sans secours. Sans rien du tout. Attendez, écoutez-moi, monsieur le commandant. On ne veut pas avoir de panique à gérer dans cet avion. Vous avez 10 passagers à bord de ce Boeing et votre mission reste toujours la même. Vous devez les ramener sur Terre en un seul morceau. Vous n'avez pas à me dire en quoi consiste mon travail. J'ai bien peur de l'avoir fait. Mais vous avez meilleure mine maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nick? Et ne me dites pas que vous êtes comptable. Je suis agent diplomatique attaché à l'ambassade britannique. Eh bien, rien que ça. C'est la fonction qui est inscrite sur mes papiers. Si on voulait lui donner une autre appellation, ce serait mécanicien de Sa Majesté.
Répare des choses qui ont besoin d'être réparées. Aujourd'hui, je m'occupe de vous. C'est gentil, mais je vais très bien. Alors, c'est parfait. Qu'avez-vous l'intention de faire? Pouvez-vous piloter sans avoir de repères émis par les tours de contrôle? Pouvez-vous éviter les avions? Ah oui, je peux piloter avec les instruments dont je dispose sur ce tableau de bord. Et pour les autres avions, ce radar ici nous indique qu'il n'y en a aucun dans notre zone de navigation. Bien. Nous ne risquons pas de percuter un autre gros avion, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va sur Boston? Logan. Deux jours. Un des aéroports les plus fréquentés du monde, sans avoir la moindre idée de ce qui se passe en dessous, non, c'est hors de question. On va se diriger sur Bangor, dans le Maine. Je crois qu'il est temps d'informer les passagers. Enfin, du moins ceux qui n'ont pas disparu. Pardonnez-moi, vous pourriez me dire où se trouvent les charmantes hôtesses? Où est passé le personnel? J'ai piqué un petit roupillon. Mais où sont-ils tous partis? Mais c'est complètement dingue. Ils sont quand même pas envolés. Ça, je n'en sais rien, mais... il est possible. Mesdames, messieurs, ici votre commandant. Commandant, tu parles, mon cul. Hé, la ferme. Comme vous le savez, nous devons faire face à une situation particulièrement difficile. Les communications sont coupées entre les tours de contrôle et notre avion. Et il y a à peine 5 minutes, nous aurions dû apercevoir les lumières de la ville de Denver et nous n'avons strictement rien vu. Malheureusement. Parmi ces mauvaises nouvelles, il y en a quand même une bonne. Le matériel n'a subi aucun dommage. Nous avons beaucoup de kérosène. Et je suis habilité à piloter ce type d'avion. La dernière information que je vais vous donner est que notre destination est maintenant Bangor, dans le Maine. Quoi? Les instruments de contrôle des réacteurs et de la navigation sont opérationnels. Mais je ne peux pas en dire autant pour mes instruments de communication avec l'extérieur. Étant donné cet état de fait, Bangor International Airport est notre pari le moins risqué. Quoi? Quoi? J'ai une réunion de la plus haute importance à Boston à 9h précises, nom de Dieu! Et je vous interdis, commandant, de mettre la moindre roue sur Bangor Airport! Est-ce que vous m'entendez? Vous pourriez parler moins fort. Vous effrayez cette jeune fille. J'effraie la jeune fille? J'effraie la jeune fille? Écoutez, madame, on va se retrouver dans un minable aéroport au milieu de nulle part, et vous croyez que je n'ai pas d'autre chat à fouetter que d'effrayer cette jeune fille? Arrêtez, vous allez vous asseoir et la fermer, sinon je vous balance un marron! Tout seul, t'as vraiment aucune chance, pauvre crétin! Il ne sera pas tout seul. Je vais vous en coller une, moi aussi, si vous voulez pas la fermer. Oh, j'ai vraiment la trouille maintenant, arrêtez! Je me joindrai à eux si vous la bouclez pas, je vous jure que je le ferai. Ok. Ok, ça va. Vous êtes tous contre moi? Ça va. Ça va. Écoutez, faut pas s'énerver comme ça, monsieur. Il faut essayer de vous détendre, de vous relaxer. Quelqu'un sait comment fonctionne le four électrique, là, derrière? C'est bien ce que je pensais. Cet homme s'est un peu emporté, mais c'est rien. Il va mieux maintenant. Il nous voit tous comme des monstres, ce bonhomme. Non. Je suis sûre que non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'entends des choses parfois, vous savez. J'entends les pensées des gens.
Je l'ai toujours fait. Mais tout à l'heure, pour la première fois, j'ai vu ce que ce bonhomme voyait. C'était plutôt sombre et flou, mais j'ai tout vu, je vous assure. Écoute, ma chérie, je crois que tout ça est le fruit de ton imagination. C'est tout. C'est ce que ma tante croyait, elle aussi. Mais c'est faux. Tu devrais essayer de dormir un peu. Tu te sentiras beaucoup mieux après. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas m'endormir parce que j'ai déjà beaucoup dormi tout à l'heure. Quelque chose? Mais non, je crois pas. Je peux te poser une question? As-tu entendu ce que disait la petite fille il y a à peine 2 minutes? Non. La petite disait à Mademoiselle Stevenson qu'elle ne croyait pas pouvoir s'endormir parce qu'elle avait déjà beaucoup dormi avant. Moi aussi, je me suis endormi. Et toi, mon petit bonhomme? Je ne comprends pas la question. Est-ce que toi aussi tu dormais? Il me semble que oui. Oui, en effet. Hey. Nous dormions tous, c'est évident. Tous les passagers. Oui, c'est possible. Et comment ça, c'est possible? C'est certain. J'écris des romans sur le mystère, la déduction, c'est mon gagne-pain, petit. Tu ne crois pas que si quelqu'un avait été réveillé quand tous les autres passagers ont disparu, il aurait crié au meurtre et il aurait réveillé tout le monde en semant la panique à bord de l'avion? Ouais, c'est pas idiot. Bien sûr que c'est pas idiot. J'en ai donc déduit que tout le monde dormait, y compris les pauvres passagers victimes de ce phénomène étrange. Sans oublier, bien sûr, le personnel navigant, mon garçon. Vous pourriez m'appeler Albert, s'il vous plaît, monsieur Jenkins, c'est mon nom. Je suis confus, oui, bien sûr. Tu vois, je suis inquiet. Quand je suis tourmenté, j'ai tendance à être un petit peu familier. Pardonne-moi. J'aimerais tellement élucider cette mystérieuse intrigue. Vous avez des idées? Eh bien, s'il s'agissait uniquement de cet avion, j'aurais facilement un scénario. Quel genre de scénario? Eh bien, disons que pour l'instant, il s'agit d'un gouvernement fantôme ou d'une organisation qui a décidé de conduire une expérience et nous sommes les cobayes, en quelque sorte. Et le but de cette expérience, étant donné les circonstances, serait de montrer et d'apporter des éléments nouveaux sur les effets émotionnels que procurent de fortes angoisses sur des Américains moyens. Et les scientifiques qui ont conçu cette petite expérience ont remplacé le système d'oxygénation de ce Boeing par un gaz inodore et hypnotique. Tu suis? Une fois que le gaz s'est mélangé à l'air, tout le monde sombre dans un sommeil profond, à l'exception bien sûr du pilote, qui lui respire de l'air non contaminé à travers un joli masque. Ensuite, le commandant pose son avion sur une piste d'atterrissage tenue secrète dans le Nevada, disons. D'accord? Après quoi, excepté évidemment les 9 passagers cobayes choisis complètement à l'aveuglette, tous les passagers endormis sont transportés hors de l'avion avec précaution et placés à bord d'un autre avion similaire. Ensuite, le commandant fait à nouveau décoller le vol numéro 29 et le conduit tout doucement à son altitude et à son cap d'origine. Il enclenche le pilotage automatique et coupe toute liaison radio. Et c'est alors que les effets du gaz hypnotique commençant à faiblir, le commandant entend dans l'interphone la voix de la petite fille aveugle appelant sa pauvre tante. Et il sait que cet incident réveillera les autres. La belle expérience peut enfin commencer. Le commandant Engel fait partie de ceux qui ont fait le coup? Eh bien, comment dire, dans ce scénario, oui, en effet. Mais si le commandant Engel fait partie des crapules qui nous ont fait ça, il va falloir le capturer aussitôt après l'atterrissage. Vous, moi, monsieur Gaffney, et peut-être aussi l'anglais. Mais cette hypothèse ne tient pas debout. Quoi? Le scénario que je viens de te donner ne tient pas debout. Mais vous venez de dire que... Ce que je viens de te dire, c'est que s'il s'agissait uniquement de cet avion, je pourrais te donner un scénario. Mais malheureusement, il ne s'agit pas uniquement de cet avion. La ville de Denver est sûrement encore là, en bas. Mais il n'y a plus de lumière, plus un souffle, le noir intégral. Et je te dirais que ce n'est pas uniquement Denver, non? Omaha, Des Moines, Saint-Louis. Il n'y a pas la moindre trace d'autres êtres humains en bas, crois-moi. Non, ce qui s'est produit ne s'est pas seulement produit sur ce Boeing. C'est là où mes déductions se brisent les reins.
Tour de contrôle de Saint-Louis, est-ce que vous me recevez? Ici l'American Pride, vol numéro 29. Je répète, American Pride, vol numéro 29. Est-ce que vous me recevez? Terminé. Il n'y a rien nulle part. Rien au sol, rien dans le ciel. C'est comme si tous les états avaient soudainement cessé d'exister. Je ne crois pas que vous ayez lu beaucoup de science-fiction. J'étais dingue de ce genre de bouquin quand j'étais gosse. Pas vous? Oui, du moins jusqu'à 18 ans. Depuis que je suis assis là, je passe toutes ces histoires en revue dans ma tête. Les voyages à travers le temps, les vaisseaux spatiaux, aliens qui sèment la panique. Nous ignorons s'il reste encore quelque chose en dessous de cet avion. Regardez cette couche nuageuse. Ouais, je sais. Et la météo peut être comme ça jusqu'à Bangor. Avec un contrôle du trafic aérien hors service, on n'a aucun moyen de le savoir. Vous pourriez peut-être nous conduire à terre pour jeter un coup d'œil. Non, c'est trop dangereux. On n'a plus de contact radio, ni aucun avion avec qui communiquer. Vous pouvez rire de moi si vous voulez, mais... Je n'ai pas envie de rire de vous, mon vieux. Je n'ai pas du tout envie de rire. Et... Admettons que nous ayons basculé dans une autre dimension. Comme dans les histoires de science-fiction. Comment pouvons-nous savoir ce qu'il y a en bas? Qui sait, peut-être que les montagnes rocheuses sont en plein New York maintenant. Ce qu'on peut dire, c'est que nous pouvons encore naviguer dans le ciel. Oui, c'est vrai. Ici, ça va encore. Mais sous ces nuages, en bas, on ne sait rien. Et ce genre de situation est tout à fait insupportable pour un pilote de ligne. Alors, pour l'instant, nous continuons. Oui. Et nous attendons. Oui, c'est ça. Bon, c'est vous le mettre à bord. Enfin, façon de parler. Qu'est-ce que vous voyez? Le soleil s'est levé, rien de nouveau à part ça. Et en bas, qu'est-ce que vous voyez? Je vois que dalle, avec des gros nuages, rien d'autre. C'est peut-être aussi bien comme ça. Ouais, tu parles. Tu te sens mieux? Oui, ça va. Je voudrais pas vous gêner. Mais... Vas-y, tu sais que tu peux me demander ce que tu veux. Pourquoi vous avez menti sur la raison de votre venue à Boston? Comment tu sais que je n'ai pas dit la vérité? Je l'ai entendu à votre voix. Je peux entendre beaucoup de choses. C'est peut-être parce que je suis aveugle. J'en sais rien, mais je sais que vous avez menti. Sinon, j'aurais pas entendu la différence. J'y vais. Non, j'y allais pour rencontrer une personne, ma chérie. Un homme qui s'appelle Darren Crosby. Et vous l'avez connu comment? Voilà, c'est ici que ça devient embarrassant pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai menti. Ça aurait été la toute première fois qu'on se voyait. Nous avons commencé à correspondre par le biais d'une annonce dans un magazine. On s'est écrit très souvent, il m'a plu. Enfin, disons que j'aimais son écriture et sa photo ne me laissait pas indifférente. Alors j'ai accepté son invitation pour Boston pour le rencontrer. C'est quand même bizarre. Traverser toute l'Amérique pour au bout découvrir une personne qu'on n'a jamais vue. Oui. Mais je me suis rendu compte que cela n'avait rien à voir avec ce cher monsieur Crosby. Le problème, c'était pour moi et personne d'autre. Je ne voulais plus de cette vie tranquille, plus de ce train-train quotidien. Je voulais casser le cours de ma vie, changer mes habitudes, avoir une aventure. Je crois que, question aventure, je suis vraiment très bien servie. Vous êtes très belle, Laurel. Je suis sûre que vous trouverez ce que vous cherchez.
pensez qu'on va s'en sortir? Je le crois, oui. Je l'espère de tout cœur. J'ai la trouille de ce qu'on va trouver derrière ces nuages. Mais j'avais aussi la trouille de ce que j'allais vivre à Boston. Ma mère m'a roulée. Ça lui a pris d'un seul coup. Elle m'a dit que ce serait super chouette d'aller m'aérer la tête chez ma tante Shona. Tout ce qu'elle voulait, c'était que je prenne cette saloperie d'avion et Shona me mettrait la corde au cou après. Que voulez-vous dire? Ne passe pas par la case départ, ne reçois pas 20 000 francs. File au centre de désintox au plus vite et par pitié, tu reviendras quand tu seras complètement lavé. Vous voyez, tout était tellement pourri avant que cette histoire d'avion, ça change pas, c'est toujours pareil. Je suis pas sur une autre planète, hein. Tout ce que je vis ici est bien réel, j'imagine rien, pas vrai? Non. C'est malheureusement bien la vérité. Vous avez besoin d'entrer en désintoxication, Bessany? J'en sais rien. Je crois que ce serait bien. Je me disais que c'était normal, qu'on faisait la fête. Tout ce que je prenais, l'alcool, la drogue, mais maintenant, je sais plus, je suis paumée. Mais là, se faire expédier comme ça, je me sens comme une truie qui va se faire saigner à l'abattoir, ça me dégoûte. Je suis désolée. Moi aussi, je suis désolée, mais je crois qu'il y a plusieurs gens à la minute où je parle que mes petits problèmes existentiels. Bien. Je crois que notre heure va bientôt sonner. Bonjour à vous tous, ici le commandant Engel qui vous parle. Nous sommes actuellement au-dessus de l'océan Atlantique, à environ une cinquantaine de kilomètres de la côte du Maine. Je vais bientôt procéder à la descente sur la région de Bangor. Vous voudrez bien vérifier... Que votre ceinture est correctement attachée, que votre tablette est rabattue. Je commence notre descente. Je veux que vous restiez calme. Notre tableau de bord ne signale aucune avarie et les procédures habituelles d'atterrissage vont être enclenchées. Non, vous êtes tout à fait réconfortant, c'est agréable. Vous auriez dû faire de la politique. Je doute fort que nos passagers soient détendus en ce moment. Parce que moi, je ne le suis pas. 30 000 pieds. On assure la descente. Que les choses soient claires, Brian. J'ai peur, j'ai des sueurs froides. Une partie de moi me dit de vous prendre par le col et de vous obliger à remonter. Ce ne serait pas la bonne solution. On ne peut pas rester ici éternellement. Ça, merci, je sais. J'ai peur de découvrir ce qu'il y a sous ces nuages. Ou peut-être ce qu'il n'y a pas. Allez, nous le découvrirons ensemble. Je crois qu'il serait bienvenu de rassembler notre courage. Nous en aurons besoin. Vous pouvez arrêter ça, monsieur, ça commence à me taper sur les nerfs. On pourra enfin se colmater la brèche quand on aura atterri. Tu veux vraiment savoir? Quoi? Je n'ai pas du tout envie de voir ce qu'il y a derrière ces nuages. Ça ne me tente pas du tout. Ben, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas la seule. J'ai peur. J'ai la trouille. J'ai vraiment la trouille. Je crois que je vais m'évanouir. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Oui, j'espère. Nous entrons dans une zone de turbulence, ce n'est rien. Vous connaissez tous ce genre de phénomène. Alors s'il vous plaît, je vous demande de rester calme. Qu'est-ce qui se passe? L'avion a un problème? Est-ce qu'on va s'écraser? Non, je ne crois pas, ma chérie. Ça va, calme-toi. Est-ce que ça...
ça va aller? Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Je l'espère, tu dois te calmer maintenant. Dieu nous bénisse et nous aide. Écoutez, peut-être que ce n'était pas une bonne idée, Brian. Peut-être que nous devrions remonter pour réfléchir à la question. Non, on n'a plus assez de temps et pas assez de kérosène. Accrochez-vous. On va traverser. Ça va? Oh mon Dieu, c'est quoi tout ce Bessani, point? Bessani! Je crois que c'est un chariot qui a dû percuter quelque chose. Je ne saurais vous dire quoi, mais ce n'est pas grave. Oh. Là, doucement, c'est rien. Pitié, je veux pas mourir! Non, je veux pas mourir, s'il vous plaît! Non, ça va aller. Je te conseille d'arrêter tes conneries, mon salaud, sinon je te pique ce magazine et je te le fais bouffer jusqu'à la dernière feuille. Vas-y, essaye, sale connard. Oh. On est à 3000 pieds. De combien est le plafond nuageux? J'en sais rien, en tout cas plus bas que ce que j'espérais. Oh, merci, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais descendre jusqu'à 500 pieds. Si on n'est toujours pas passé à travers la couverture nuageuse, je nous ferai remonter plus haut et on volera vers Portland. On pourrait peut-être faire ça tout de suite. Non, la météo là-bas est généralement pire qu'ici. Je crois que c'est clair. On a pris la mauvaise décision, mon vieux. On n'en est pas encore sorti. On se rapproche de plus en plus, n'est-ce pas? On est à 2000 pieds. Et on voit rien à travers cette grisaille. On va s'écraser! Attendez, on n'est pas encore mort. Et voilà, nous l'avons traversé. Ça y est, tout va bien. Nous venons de passer l'important plafond nuageux. Dans quelques minutes, vous entendrez un bruit sourd sous l'avion. Il s'agit du train d'atterrissage, pas de panique. Je vais continuer notre descente sur Bangor. À tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance, Nick. Bonne chance, Brian. Vous réussirez. Qu'est-ce que vous voyez, Laurel? Je vois la terre, des champs, je vois aussi une forêt et puis une petite mare. Rien n'a changé, Dina. Non, tout est là. Je suis désolé, mademoiselle, mais vous êtes complètement dans l'erreur. Je vois l'aéroport. Quelle vue merveilleuse, c'est inouï. Bouclez votre ceinture, on approche. Tour de contrôle de Bangor, ici l'AP, vol numéro 29, vous me recevez? Je dois poser mon avion de toute urgence, interrompre le trafic et dégager la piste. J'arrive sur la piste! Il n'y a pas de lumière, ils n'ont rien éclairé. Ça fait rien, c'est trop tard maintenant.
Atterrissage de routine. Rien à signaler. Mesdames et messieurs, bienvenue à Bangor. Ouais! Wow! Je vous remercie de nous souhaiter la bienvenue. Mais j'ai comme l'impression que vous serez la seule et unique personne à pouvoir le faire. Cet aéroport est vide. Il est totalement désert. Non, c'est impossible. Malheureusement, j'ai bien peur que si. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même descendre. Pour essayer d'en savoir plus. Après vous, commandant. Bravo, commandant. Formidable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le pilote. Nous sommes grâce à lui tous sains et saufs. Mesdames et messieurs, je vous assure qu'il n'y avait aucun mérite à poser cet avion. Oh, flûte, on peut recommencer alors. On s'est pas écrasé, on est en vie. Oh, génial. S'il vous plaît, un peu d'attention. J'imagine que vous avez tous regardé à travers les hublots et comme moi, vous vous êtes rendu compte que... Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas que les passagers et l'équipage de ce vol qui ont disparu, mais... Mais on peut ajouter maintenant à la liste les gens qui se trouvaient à terre. Mais la logique me fait dire que, puisque nous avons survécu à ce phénomène, d'autres gens ont certainement dû survivre aussi. Mauvaise déduction. Je pense que la meilleure façon de gérer cette situation est de ne pas paniquer et de procéder par ordre. Et la première étape est de sortir de l'avion. J'ai payé un billet pour Boston. J'aimerais qu'on m'y conduise au plus vite. La ferme. Nous allons nous servir des toboggans d'évacuation. Je vais revoir les procédures à suivre avec vous. Écoutez-les attentivement. Et ensuite, formez une seule et même file derrière moi. Et voilà. C'est bon de toucher le sol. Vous sentez? L'air est curieux ici. Il est... Que voulez-vous dire? Je ne sais pas. Il est empoisonné? Non. Non, non, je ne crois pas. Il n'y a aucune odeur, on ne sent plus rien. Quoi? Il y a quelque chose qui cloche? Je suis pas sûre de vouloir le savoir, mais s'il y a quelque chose... Non, non. Il n'y a rien d'anormal. Mais si, je le sens. Cet aéroport a une odeur bizarre. Ouais, il a vraiment une odeur bizarre. Attends, nous devons faire des recherches. Nous n'avons pas le choix. Tu comprends? Il le faut. Pourquoi? Pourquoi il le faut? Il n'y a personne ici. Mais ça, nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas vérifié. Je vous dis que je le sais déjà. C'est vrai. On ne sent rien, on n'entend rien. Les oiseaux ne chantent pas. Aucun bruit de moteur, rien du tout. À part... À part quoi? Rien, laissez tomber. Bien. On fait quoi maintenant? C'est à vous de me le dire. Et à eux aussi. Je pense que ça relève plus de vos compétences maintenant. Vous vous rendez compte que je pourrais vous attaquer? Je pourrais intenter une action en justice à l'encontre de votre compagnie pour une poignée de dollars et vous désigner comme responsable. Libre à vous de le faire, monsieur. Toomey. Craig Toomey. Monsieur Toomey. Monsieur Toomey, vous êtes au courant de ce qui nous est arrivé? Tu n'as aucune excuse! Monsieur Toomey. C'est épouvantable! Monsieur Toomey. Arrête de perdre ton temps! Monsieur Toomey. C'est un relevé épouvantable! C'est nul, c'est un affront terrible! Un A- et un B. Un B, tu vois ce que je veux dire? Tu veux creuser des trous pour le restant de ta vie? Mais papa, je... Craig, tu n'as aucune excuse. Regarde-moi ça.
C'est un B. Et ça veut dire que tu es un minable. Et dis-moi ce qui se passe quand on devient minable et qu'on se couche devant la difficulté. Réponds, Greg. Les langoliers vous attrapent. Oh, ils font beaucoup plus que t'attraper. Ils attrapent et dévorent les minables. Ils dévorent les petits garçons paresseux. Les petits morveux avec leurs jolies dents bien aiguisées. Non, papa, ne laisse pas m'attraper. Ils ne t'attraperont pas si tu apprends par cœur tout le programme et que tu arrêtes de perdre ton temps. Sinon, ils te dévoreront vivant. Tu entends vivant et tu pourras pleurer. Monsieur Toomey. Monsieur Toomey. Arrête de perdre ton temps, Greg. Monsieur Toomey, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr que je vous entends, je sais exactement ce qui est arrivé à tous ces gens, ces imbéciles et ces minables. Les langoliers les ont attrapés. Je vous demande pardon. Avez-vous la moindre idée de l'importance de ma réunion de Boston à Prudential Center? Est-ce que vous saisissez l'enjeu économique et l'avenir des nations qui peut se jouer lors d'une réunion comme celle-ci? Réunion pour laquelle je serai absent! Tout ça est vraiment intéressant, mais franchement, je n'ai pas le temps pour le moment. Le temps, commandant? Mais qu'est-ce que vous connaissez sur le temps, nom de Dieu? Il n'y a que moi qui peux parler du temps, mon Dieu, il n'y a que moi! Le temps est court, commandant! Quel est, à votre avis, le meilleur moyen d'entrer dans le terminal, Brian? Bien, je crois qu'il faut emprunter le convoyeur pour les bagages. D'accord. Alors, tous sur le convoyeur. Allez, mesdames, messieurs, allons-y. Allez. Allez. Monsieur Toomey? Et restons groupés. Vous avez raison, voyons, c'est jamais. Il n'y a vraiment pas un chat. Il ne faut pas t'inquiéter, Dina. Ça va aller. Cette situation est tellement étrange que pour le coup, nous trouvons que tout est bizarre. Et vos talons de chaussures, vous trouvez normal qu'ils fassent ce bruit? Tu as raison. Ça fait comme... un bruit sourd. Oui, c'est exact. Un bruit sourd. C'est comme si mes talons n'avaient plus du tout de force. Voyez libre. Je sens vraiment pas cet endroit. Attention à votre tête. C'est bon. Bon, allons-y. On va essayer de téléphoner quelque part.
visage du Weber? On dirait, oui. Oh, c'est cool de s'enfumer une... Dans l'avion, j'ai pas osé le faire, j'avais peur de faire exploser la cabine. Excusez-moi, mais j'ai réussi à arrêter, ça fait bientôt 10 ans et... Non, arrêtez pas de sermon, j'en entends depuis que je suis gosse. Non, j'allais vous demander si je pouvais en avoir une. Merci beaucoup. Albert, vous avez... Waouh, vous avez perdu l'habitude. Tenez, maintenant je sais que c'est terminé. Oh là là. Albert, vous avez quelle heure à votre montre? 8h45. Oui, à la mienne aussi. Mais je crois qu'elle retarde. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tard. Oui, c'est vrai ça. J'ai faim. Mon estomac me crie qu'il est midi, c'est idiot. C'est pas idiot, c'est le décalage horaire. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mademoiselle. Nous avons voyagé d'ouest en est et il se trouve que les impressions ressenties par les voyageurs en pareil cas sont tout à fait à l'opposé de ce qu'on éprouve. Ils croient qu'il est plus tôt que ce qu'il est en réalité. Je voulais vous demander quelque chose à propos de cet étrange phénomène. Quand le commandant nous a dit qu'il devait y avoir d'autres personnes ici, vous avez dit « mauvaise déduction ». Mais pour moi, c'est très clair. Nous étions tous endormis et nous sommes ici. Et si le phénomène s'est produit à 4h07, heure de Bangor, alors presque tous les gens de la ville devaient certainement dormir également. C'est exact. Alors, où sont-ils? C'est incroyable. Ça ne fonctionne pas. Pas de tonalité, personne ne décroche, rien. Vous pouvez ajouter à votre longue liste que le téléphone ne fonctionne pas non plus, Brian. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Montons à l'étage, il y a sûrement un restaurant au premier. Vous savez, c'est une obsession chez vous, monsieur. Non, premièrement, mon nom est Rudy Warrick, pas monsieur. Désolé. Et secondo, on peut mille fois mieux réfléchir quand on a le ventre plein. C'est une loi de la nature. Je suis d'accord avec monsieur Warrick. Je crois que nous pourrions tous aller manger quelque chose. Oui, pourquoi pas. Je commence étrangement à me sentir dans la peau de ce cher Robinson Crusoe. Vous, vous savez quelque chose? Oui, peut-être. Mais je peux aussi me tromper. Pourtant, je voudrais conseiller une chose à la jeune fille. Gardez vos allumettes. Excusez-moi, mais je vous suis pas du tout. Il y a sûrement un kiosque à journaux au premier, des tas de boîtes d'allumettes et plein de briquets. Faites ce que je vous dis, gardez vos allumettes. Attendez. Où est monsieur Toomey? Oh, ça, on s'en fiche. Bon débarras, il ne nous manquera pas. Je suis désolé, mon vieux, je l'ai pas vu partir. Toomey! Craig Toomey! Où êtes-vous? Il y a un truc qui cloche. Il n'y a aucun écho. Qu'est-ce que vous me racontez? Ça n'est pas possible. Hé, oh! Est-ce que vous m'entendez? Y a quelqu'un? Ils arrivent, Craig. Les Langoliers arrivent. Oh non! Personne ne vient, c'est pas vrai! Ils ont fait le chemin pour toi. Monsieur Toomey a été méchant. Tu avais une réunion importante à Boston. Et toi, tu t'es dérobé. Non, c'est pas ma faute. On m'a kidnappé, papa. Je regrette, tu n'as aucune excuse. Tu t'es couché devant la difficulté, Toomey. Tu as déshonoré les tiens et déshonoré ton travail. Non, je veux pas de ce travail. Quoi? Je veux pas de ce travail, bon sang. Et je veux pas non plus de cette vie. J'en ai assez depuis l'enfance. Tu m'as constamment mis la pression pour voir si tu pouvais me faire exploser. Alors regarde, papa, c'est le grand jour. Je vais exploser, j'en ai rien à foutre. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai claqué plus de 3 millions de dollars pour me porter acquéreur d'actions que je savais sans valeur. Tu as fait quoi? J'ai placé un revolver sur ma tempe, t'entends? Je veux en finir! Je veux en finir! Tiens-toi, t'en rates demain, au nom de Dieu!
Écoute. Est-ce que tu as enfin terminé ton programme? Pourquoi tu veux pas m'aimer et me laisser en paix? Qu'est-ce que tu veux? L'amour ne fait pas partie des perspectives d'avenir. Est-ce que tu vas faire face aux perspectives d'avenir? Ou est-ce que je vais les laisser t'attraper? Vas-y, dis-moi. Ils n'existent pas, qu'est-ce que... Non, ils existent. Non. Et ils sont venus ici, ils vont revenir. Ils vont revenir pour toi, espèce de sale tas d'ordures. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Non, mais regarde-toi. Tu vas faire ce que tu dois faire. Tu vas te grouiller dès la Boston. Parce que si tu rates ce rendez-vous, Crédit chérie, les langoliers vont te mâchouiller le corps jusqu'à ton dernier membre. Papa, je t'en prie. Fais-les s'en aller. Aide-moi, s'il te plaît. Dis-leur de s'en aller. Je veux plus les voir. Fais-les partir, s'il te plaît. Tu m'entends? Like to me! Bon, allons-y. Attendez. Quoi? Chut. Là-bas. Là-bas, je sens une lumière. Quelque chose qui va pas avec cette vitre. Dina. Chut. J'entends un truc bizarre. Y a rien dehors. Dina, tu imagines des choses, c'est tout. Dis-nous ce que tu entends. Je sais pas exactement. C'est très léger. Je l'ai déjà entendu quand on est sorti de l'avion. Je me suis dit que j'inventais, que c'était mon imagination. J'entends ce bruit à travers le carreau maintenant. Ça fait comme... Oui, ça fait comme les Rice Krispies quand on a versé du lait dessus. Vous entendez quelque chose? Non, pas un souffle. Ça ne m'étonne pas, d'être aveugle. On doit faire travailler ses oreilles au-delà de leur capacité. Je crois que c'est une hystérique. Vous entendez quelque chose? Non, pas un souffle. Ça ne m'étonne pas, elle est aveugle. Elle doit faire travailler ses oreilles au-delà de leur capacité. Je crois que c'est une hystérique. Dina, enfin, de quoi tu parles? Eh bien, j'étais en train de parler avec Nick et elle a entendu ce qu'on disait. T'as de sacrées oreilles, toi. Et alors, j'entends ce que j'entends. Et je sais que ce bruit vient de là-bas, dans cette direction. Et c'est affreux. C'est un bruit terrible qui vous fout la pétoche. Si tu pouvais nous dire ce que c'est que ce bruit terrible, ma petite, ça nous aiderait vraiment beaucoup. J'en sais rien, je vous dis. Tout ce que je peux dire, c'est que ça s'est rapproché. Nous devons nous sauver d'ici au plus vite. Quelque chose de bizarre avance vers nous. Quelque chose qui fait cet horrible bruit de céréales. Ça me semble difficile, notre avion n'a plus de kérosène. Alors il faut à tout prix en remettre, vous entendez? La chose approche, vous êtes sourds ou quoi? Elle approche! Et si nous ne sommes pas partis avant qu'elle arrive, alors nous allons tous mourir! Je veux faire de mal à personne. N'oublie pas, Craigie, chérie. Les langoliers sont venus ici. Et ils vont revenir.
Tu as intérêt à être parti quand ils arriveront, ou tu sais ce qui se passera. Oh oui, je sais ce qui se passera. Les langoliers me mangeront. Ils me mâchouilleront jusqu'au dernier membre. On est dans un aéroport. Il y a sûrement d'autres avions avec le plein de kérosène. Si on en trouve un, vous pourrez le faire voler? Oui. Il y a juste un petit problème. Où irions-nous exactement, commandant? Loin d'ici. Loin de ce bruit affreux. Est-ce que la chose s'est rapprochée depuis tout à l'heure, Dina? Je peux pas vous dire. Je crois que c'est loin de l'aéroport, mais j'en suis pas sûre. Écoutez, je pense que nous devrions faire ce que M. Warwick nous a suggéré tout à l'heure. Trouvons le restaurant et mangeons quelque chose. Ensuite, nous réfléchirons à la suite des opérations. Qui a élu ce monsieur chef de groupe? Je pense qu'on devrait le suivre. Il a l'air de bien connaître son truc. C'est quoi son truc? Je peux pas vous dire exactement, mais je crois que ça vaut le coup de le découvrir. Bon, allons-y. D'accord. Je meurs de faim. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez? Je vous avais dit que c'était pas la peine de les garder. Vous aviez raison. Mais laissez-moi en allumer une de celles-ci. Ok, mais pourquoi? Ça, nous allons le découvrir tout de suite. Ben voyons. Il semblerait que nous ayons découvert un autre problème. Je peux vous emprunter les vôtres, Bessoni? Attendez une minute. Dites-nous ce que vous savez exactement. Je sais que la situation que nous connaissons a de plus vastes implications que celles que nous lui prêtions. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien le savoir, mais ça n'augure rien de bon. Encore plus intéressant que ce que je pensais. Allez, dites-nous ce qui se passe. Il n'est plus bon. J'ai mangé quoi, alors? Il est plus bon, non? Ah non, ça m'étonnerait. On peut lire sur les pendules que les réfrigérateurs qui contenaient cette nourriture se sont arrêtés de fonctionner il y a à peine une heure. Vous pensez que c'est pas périmé? Alors goûtez-le. Ça n'est pas périmé. Et il y a seulement plus de goût. C'est comme si on mâchait du papier. Ceci dit, je comprends parfaitement que vous ayez trouvé qu'il n'était plus bon. C'est périmé, à point du tout. Goûtez votre bière. On va voir comment elle est. Non, ça me dit rien, j'en veux plus. Donnez-la-moi. J'en ai déjà bu des chaudes et j'en suis pas mort pour autant. La vache. Éventée. Éventée et sans goût, elle est dégueulasse. C'est parfait, très bien. S'il n'y a plus de bulles, c'est quelque chose qu'on peut voir. Vous pouvez ramener d'autres bières et des boissons gazeuses de réfrigérateur, là-bas. Tu ne peux pas lambiner pendant des heures entières, Crédit chéri. Tu dois te rendre à Boston. Et tu dois t'y rendre maintenant! Je ne veux pas te tuer, mais je le ferai si tu m'y obliges. Je ne veux pas te tuer, mais je le ferai si tu m'y obliges. Je le ferai. Vous êtes là-bas, n'est-ce pas? Vous avez dévoré tous les gens qui étaient ici, tous les incapables, et aujourd'hui vous revenez pour moi. Mais je serai parti quand vous rappliquerez ici. Je pars pour Boston. Bon, nous sommes tous d'accord. La bière est éventée. Pourquoi? J'ai une petite idée là-dessus. Mais avant de dire quoi que ce soit, je voudrais que vous regardiez tous très attentivement autour de vous afin de voir si vous pouvez trouver la différence essentielle qu'il y a entre ce lieu et notre avion. Les bijoux, les portefeuilles, les prothèses et tous les sacs à main, je vois aucun de ces objets ici. Exact.
Mon petit, tu as parfaitement raison. Comme tu l'as dit, il n'y a aucun de ces objets ici. Par contre, dans l'avion, à notre réveil, il y en avait partout. Pourquoi pas ici? Peut-être qu'il n'y avait personne dans l'aéroport quand ça s'est passé. Non, non, c'est absurde. Un aéroport, c'est comme un commissariat de police ou une caserne de pompiers. Il y a toujours quelqu'un. Attention, j'entends quelque chose. Je ne peux pas la tuer, mais je le ferai si vous m'y obligez. Emmenez-moi à Boston. Qu'est-ce vous m'entendez? Emmenez-moi à Boston. Vous m'étranglez. Qu'est-ce qu'il fait? Surtout, ne bougez pas. La ferme, arrête de gigoter. Ne bouge pas, te tuer, arrête de gigoter comme ça. Qu'est-ce qu'il te dit, Bessamy? Je veux pas la tuer, mais faut qu'elle arrête de faire ça. Non, Albert. Je crois qu'il m'a tiré dessus. Albert, ça va aller? Albert, Albert, ça va? Ça va, petit? J'ai mal partout. Vous pouvez arrêter l'hémorragie? Je crois que ce n'est pas pour cette fois. Tiens, un souvenir pour toi. J'ai tombé par terre. Elle a dû aller droit sur ta poitrine et elle a rebondi. J'ai pensé que ce serait comme les allumettes, que la balle ne pourrait pas me toucher. C'était vraiment courageux, mais aussi particulièrement risqué. Oh Seigneur, et si je m'étais trompé? Il s'en est fallu de peu. Un mauvais rebond et notre ami aurait pu être touché au poumon. Ça va aller? Alors là, t'as vachement assuré. Passez-moi cette corde là-bas. Tu m'as impressionné, je te jure. Non, c'était trois fois rien. Si, je veux plus qu'il bouge. Tenez-lui les mains, maman. Je l'ai pas tué, au moins. Je l'ai frappé fort. Oh, il est dans le coltar, mais il est bien vivant. Ouais, son pouls est fort et régulier. Ça va aller. Il se réveillera seulement avec un gros mal de tête. En attendant, je crois qu'il est sage de prendre quelques précautions. Vous ne trouvez pas? Vous êtes obligé de le traiter si brutalement. Oui. À moins que vous vouliez qu'il se méconduise à nouveau, mais je ne pense pas que ce soit votre souhait. Voilà. Ficelé comme une jolie dinde de Noël. Bien serré. Alors, où en étions-nous avant d'être sauvagement interrompu? Laissez-moi me lever. Détachez-moi, laissez-moi me lever. Boucle-la! Je vous en prie! Hé, vous n'aviez pas besoin de faire ça. Écoutez-moi bien. Il va falloir se réveiller un petit peu, les enfants. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de faire dans la dentelle. Dina a dit qu'il y a quelque chose de franchement hostile qui vient droit sur nous à toute vitesse. Je sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, je la crois. Trouver la cause de tout ça ne nous sauvera peut-être pas la vie. Mais je suis persuadé que si nous ne nous affolons pas un petit peu, on peut tous se dire adieu. Quelqu'un n'est pas d'accord? Excellente chose. Monsieur Jenkins, vous pouvez continuer. Vous m'en voyez désolé, mais je ne travaille que par écrit sur ces choses. Je n'ai jamais été impliqué physiquement jusqu'à aujourd'hui. Je crois que vous êtes sur la bonne voie, Monsieur Jenkins. Et j'aime vous écouter. Ça va beaucoup mieux après. Merci, c'est encourageant. Vraiment merci. J'apprécie, c'est très gentil de dire ça, Dina. Et je pense avoir trouvé une erreur dans notre raisonnement. Je vous la livre. Nous avons tous présumé, quand nous avons commencé à comprendre les dimensions de cet événement, que la même chose s'était produite dans le reste du monde. Mais cette affirmation ne tenait pas compte de l'hypothèse suivante. Ce qui est arrivé n'est arrivé qu'à nous. Et nous seuls. Je suis convaincu que le monde n'a pas changé d'un iota. Il tourne exactement comme avant. Mais c'est nous, au contraire. Les 10 survivants du vol numéro 29 qui sommes perdus. Je vous en prie, dites-nous ce que vous savez, Monsieur Jenkins. L'heure tourne et j'ai peur de ce qui pourrait nous arriver. Dépêchez-vous, allez. Hey, je vous comprends. Il n'y a aucun désordre ici, mais il y en avait dans notre avion. Il n'y a pas d'électricité ici, mais il y a de l'électricité à bord de l'avion. Je suis d'accord pour dire que ces détails ne sont pas décisifs, mais ensuite viennent les allumettes. Bessani a des allumettes qui viennent de l'avion. Elles s'allument parfaitement. Les allumettes qui sont ici, elles sont foutues. Les boissons gazeuses sont éventées. La nourriture n'a aucun goût. L'air est inodore. Et les sons ne subissent aucune réverbération. Ensuite, il y a ce malade mental qui nous tire dessus. La balle parcourt quelques centimètres et termine sa course sans force. Sans oublier le temps, bien sûr. Quoi, la météo? Oui,
Il y a un vent violent qui souffle dehors et de très fortes rafales. Et pourtant, la couverture nuageuse au-dessus de nous ne bouge pas du tout. Elle fait du surplace. Je crois que les rouages de la météorologie se sont bloqués ou qu'ils sont essoufflés comme une vieille montre à gousset. Ce qui m'amène à vous parler du point crucial de la grande question que nous nous posons. J'ai dit il y a une quinzaine de minutes que j'avais l'impression qu'il était midi. Inutile de vous dire que maintenant mon corps sent qu'il est bien plus tard que ça, comme 3 ou 4 heures de l'après-midi. Et je vous donne ma main à couper que nous allons assister au coucher du soleil dehors avant même que nos montres indiquent 10h moins le quart du matin. Vous pouvez en venir à votre point crucial, Jenkins. Eh bien, le point crucial du problème que nous devons affronter, c'est le temps, mes amis. Pas la dimension, comme le suggérait Albert. En fait, disons que, pour résumer l'idée, qu'un trou apparaît parfois dans le voile du temps. Mais attention, il ne s'agit pas d'une déformation, mais plutôt d'une déchirure, oui, et c'est parfaitement le mot, une déchirure terrible dans l'édifice temporel. Qu'est-ce que c'est que ces âneries? Vous êtes complètement dingue. Amen. Monsieur Gaffney, ce qui nous arrive, la situation que nous vivons, c'est elle qui est complètement dingue. Continuez. Bien. Admettons que ces déchirures dans l'édifice du temps se produisent, interviennent de temps en temps. On pourrait répertorier ce phénomène dans les phénomènes très rares, comme par exemple les ouragans ou encore les tornades, les arcs-en-ciel circulaires, les étoiles en plein jour. Comme l'aurore boréale. Pardon? Il y avait une aurore boréale au-dessus du désert Mojave quand on a quitté Los Angeles. Nous étions censés la traverser. Alors c'est ça. C'est ça. Une aurore au-dessus du désert. Cela conforte mon raisonnement, c'est excellent. Si nous avons eu la malchance de traverser cette aurore, et qu'il y a eu une déchirure du temps au même moment, alors cela voudrait dire que nous ne sommes plus du tout dans notre temps, mesdames et messieurs. Écoutez, je suis d'accord avec madame. Le temps nous est compté. Pourriez-vous nous donner votre conclusion, s'il vous plaît, monsieur Jenkins? Mais certainement, bien sûr. Ma conclusion est que je pense que nous avons parcouru une distance infime, une distance ridicule, dans le passé. Disons à peine 15 minutes. Et nous sommes en train de découvrir la réalité tout à fait désagréable du voyage à travers le temps. Nous ne pouvons pas, malheureusement, apparaître dans cet entrepôt de ce bon vieil état du Texas le 22 novembre 1963 et espérer empêcher l'assassinat de John Kennedy. On ne peut pas être témoin de la construction des pyramides ou encore du pillage de Rome. Ou même faire des recherches sur le terrain à l'époque des dinosaures. Aucun compagnon de route. Regardez autour de vous. Ceci est le passé. Il est vide, silencieux. C'est un monde sans vie, aseptisé, il ne contient plus rien. Il n'y a plus de sensibilité, elle a disparu. L'électricité, elle aussi, a disparu. Le temps lui-même s'amenuise et se trouve entraîné dans une sorte de spirale qui tourne de plus en plus vite. Mais qu'allons-nous devenir ? Si cet endroit est pris dans des spirales, nous ne pouvons pas nous sauver, nous... Alors je suppose que nous serons entraînés avec lui. Ou que nous nous volatiliserons dans les airs comme les autres passagers de notre vol. Monsieur Jenkins, le bruit dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, je l'entends à nouveau. Je crois qu'il se rapproche. J'entends mieux, il se rapproche de plus en plus. Vais jeter un coup d'œil près des vitres. Eh bien, vous venez, qu'est-ce que vous faites? Nous l'entendons assez d'ici, ça nous suffit amplement. Bien. Surtout restez bien à l'écart de M. Toomey. Surtout restez bien à l'écart de M. Toomey. Qu'est-ce que vous en dites, Brian? Tout ce que je sais, c'est que c'est le seul bruit de la ville. Ce n'est pas encore dans la ville.
Mais ça le sera bientôt, ça c'est sûr. Dina est dans le vrai. Faut se tirer d'ici au plus vite, faut le faire maintenant. Oui, mais pour aller où? Atlantic City? Miami Beach? Une station thermale? Commandant, vous insinuez qu'il n'y a aucun endroit où nous pourrions aller? J'espère que vous vous trompez, commandant. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez qu'il sera possible de faire le plein du Boeing sans avoir d'électricité sur place? J'ai vu des cuves de kérosène à côté de la piste là-bas. Elles sont sûrement pleines. Admettons qu'on remplisse les réservoirs après. Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on redécolle enfin. Les sons qu'on entend proviennent de l'Est. Et la fracture temporelle a eu lieu à quelques milliers de kilomètres à l'Ouest. Pouvez-vous nous retracer notre itinéraire? Oui, je le peux, mais pourquoi? La fracture temporelle y est peut-être encore. Vous saisissez, on aurait peut-être la possibilité de la trouver à nouveau! Il doit y avoir quelque chose là-bas, vous ne croyez pas? Oui, oui, peut-être. Peut-être bien, mais franchement, ça n'a plus d'importance, parce qu'avec cet avion, on n'ira nulle part. Pourquoi? Si on remplit le réservoir, pourquoi est-ce que... Vous vous rappelez les allumettes? Celles du restaurant qui ne s'allumaient pas. Oui, alors qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Réfléchissez, si les allumettes ne s'allument pas et que la bière est éventée... Alors le kérosène ne brûlera pas! Ça ne servirait à rien, comme toutes les choses de ce monde! C'est comme si je remplissais le réservoir avec de la mélasse. Vous voulez dire qu'on est coincé ici? Avec ce bruit qui se rapproche de plus en plus et on n'a aucun moyen de s'enfuir? Vous nous avez parlé des langoliers tout à l'heure, monsieur Toomey. Qu'est-ce que c'est? Dina, il faut le laisser tranquille. Ne vous en faites pas. Je ne ferai pas de mal à une enfant. Comme j'en aurais pas fait à la jeune fille. J'ai seulement la frousse, c'est tout. Pas vous? Si. Mais je ne prends pas quelqu'un en otage et je tire encore moins sur un jeune homme quand j'ai la frousse, comme vous dites. Touché. C'est quoi des langoliers, monsieur Toomey? J'ai toujours cru que c'était des histoires pour faire peur, mais... Je commence à me poser des questions, parce que je l'entends aussi. Vous entendez le bruit? C'est les langoliers qui font ça? Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, franchement. Parlez-moi d'eux, s'il vous plaît. Mon gentil père me racontait. Les langoliers étaient les petites créatures qui vivaient dans les placards et les égouts et d'autres endroits sombres. Alors c'est des petits lutins? Non! Non, rien à voir avec les lutins. J'ai peur que ces bestioles ne soient pas aussi gentilles. Ils disaient que tout ce qu'ils étaient vraiment, c'était des cheveux, des grandes dents et de véloces petites. Et pourquoi ces jolies gambettes devaient être véloces? Pour être sûr de réussir à attraper les méchants petits garnements qui, la peur au ventre, tentaient de fuir en galopant. Ça suffit! Vous lui faites peur. Non, ça va, je sais que c'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Je pense que la dame veut dire que je lui fais peur, c'est tout. Mon père disait qu'il y avait des milliers de langoliers. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils étaient si nombreux? Parce qu'il y avait des millions de vilains petits garnements et de très méchantes petites filles qui galopaient à travers le monde. Oh, mon père adorait ce verbe, galoper. Je pense que c'est parce qu'il est stupide, parce qu'il n'applique aucune direction. C'est un mouvement tout à fait improductif. Parce que les langoliers, eux, ils courent.
Les Langoliers ont une perspective. En fait, on serait en droit de dire que les Langoliers sont la perspective personnifiée. Mais qu'est-ce que ces enfants ont fait de si méchant pour que les Langoliers se mettent à courir après eux? Je suis sincèrement content que tu me poses cette question, Dina. Parce que quand mon père disait qu'une personne était méchante, il voulait dire que cette personne était très fainéante. Et quelqu'un qui était fainéant ne pouvait pas faire partie des perspectives d'avenir de la famille. Parce que chez moi, soit on était une perspective d'avenir, soit on était un vaurien qui se couche devant les difficultés. Et si on était un vaurien qui travaille sans faire de miracle et qu'on ne faisait pas partie des perspectives d'avenir, alors les gentils Langoliers rappliquaient et t'attrapaient. Ils te mettaient en pièces en moins de deux. Ils disaient qu'ils viendraient une nuit et que tu les entendrais doucement se rapprocher de ton lit. Ils te croqueraient, te couperaient en deux, te frapperaient. Je vous en prie. Maintenant, ça suffit. D'accord. Je parie que votre père vous terrifiait, monsieur Toomey. Vous venez de gagner le gros lot, mademoiselle. Il me terrifiait, oui. Il est mort? Oui. Est-ce qu'il se couchait devant les difficultés? Est-ce que les vilains Langoliers l'ont attrapé? Oh oui! Monsieur Toomey. Quoi? Je ne suis pas comme vous me voyez. Je ne suis pas laide, aucun d'entre nous ne l'est. Et comment tu sais de quelle façon je te vois? Tu es aveugle, ma pauvre petite. Les apparences sont parfois trompeuses. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien du tout. Mon Dieu, quelle belle machine, c'est fantastique. Ouais, comparé à toutes les nombreuses choses qu'il y a à côté, c'est sûr. Brian, combien nous reste-t-il de kérosène exactement? Eh bien, quand nous avons atterri, j'avais environ 2500 litres. Si nous voulons revenir là où ça s'est produit, il en faudrait au moins 50 000. Quel que soit le phénomène, on dirait que c'est contagieux. Bien. Je vais retourner au restaurant. Je ne veux pas les laisser trop longtemps avec ce haut fonctionnaire de la finance. Allez, tu viens? Attendez un moment. Albert? Albert, que se passe-t-il? Commandant Engel! Commandant Engel, approchez! Je crois que j'ai trouvé la solution de notre problème. Ils viennent d'enlever le toboggan de secours et ils mettent une passerelle pour accéder à l'avion. Et maintenant, ils montent à bord. Vous êtes sûr de n'avoir aucune idée sur ce qu'ils mijotent? Tout ce que je sais, c'est qu'il est devenu complètement cinglé. Il n'arrêtait pas de dire que quelque chose était différent à bord. Je suis désolée, c'était vraiment du baragouinage, j'ai rien pigé. J'espère seulement qu'ils vont se dépêcher. Parce que ce pauvre monsieur Toomey a raison. Les Langoliers seront là bientôt. Écoute, ma jolie, son père a tout inventé. Il ne faut pas croire une histoire pareille. Peut-être qu'un jour, c'était une histoire pour faire peur. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Allons-y, Albert. On attend le spectacle. Première expérience, messieurs. La boîte d'allumettes qui provient du restaurant.
Vous avez vu dehors, c'est curieux. Ça s'est assombri. Ouais, la lumière s'en va. Comment va, monsieur Toomey? Quoi? Vous rigolez? Ce fada s'est endormi. Je crois que c'est foutu. On ne pourra rien faire ici. Attendez une minute. Je crois bien avoir senti du soufre. Oui, moi aussi. Essayez-en une autre, Albert. Regardez, vous voyez? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Nous avons amené notre propre temps avec nous. Le passé est dehors comme tout ce qui se trouve, j'imagine, à l'est du trou que nous avons traversé. Mais le présent est encore ici. Il est resté ici, prisonnier de ce Boeing. C'est pourquoi tout a l'air plus brillant, plus lumineux, plus vivant que s'il y a dehors. Bravo, bravo petit. Et c'est la bière. Santé. Pas de doute, ça sent bien la bière. Allez, dépêche-toi, verse-la. Mon docteur dit que le suspense, c'est mauvais pour le cœur. Hé ! Vous êtes réveillé ? Fonctionne sur les allumettes, mais pas sur la bière. Comment vous expliquez ça? Apparemment, il faut un moment pour que les choses se reforment. Elle est excellente. C'est de loin la meilleure bière que j'ai jamais bue de ma vie. Vous avez raison, elle était patente. C'est merveilleux. Allez, essayez un soda. Écoutez, messieurs, ce cola est vraiment tout à fait succulent aujourd'hui. Nom de Dieu, il fait bien noir tout à coup. Vous ne deviez pas surveiller le cinglé? Oh, vous en faites pas, il est toujours dans les bras de Morphée. La vache, ce bruit, ça fout la chair de poule. On dirait un régiment de termites qui bouffe un planeur en bois de palsa. Il faut aller voir Monsieur Toomey. Je me fais du souci pour lui. Mais s'il est inconscient, qu'est-ce que tu veux faire? Laissons-le se reposer. Je crois pas qu'il soit inconscient. Et je crois pas non plus qu'il dorme. Bon, d'accord, allons-y. Edith, je me disais que... Merde, où il est? Je ne sais pas. Taisez-vous! Là-bas. Il est là-bas. Il se cache derrière quelque chose. Comment tu le sais, ma petite? J'entends rien du tout. Moi, si. J'entends son cœur. Il bat vraiment vite et fort aussi. Il est terrifié. J'ai tellement pitié de lui. Monsieur Toomey, s'il vous plaît, approchez. Nous ne vous ferons aucun mal. Monsieur Toomey! Je vous en prie, n'ayez pas peur de nous. Non. Ah, Mon Dieu. Voilà.
Je vais chercher une aide. C'est pas une fille. C'est pas une enfant. C'est pas une enfant. C'est le chef des Langoliers. Elle appelle les autres Langoliers avec ses sales yeux d'aveugle. Sale, sale mioche. T'es un vrai petit génie, Albert, tu sais. Un vrai petit génie. Oh, vous savez, c'est pas grand-chose. J'ai vu ce qui se passait avec les allumettes de Bethany et je me suis dit vite, que... Venez vite, dépêchez-vous. Vite. Calmez-vous. Il l'a poignardée, elle est mourante. Calmez-vous, qui est mourante? Dina. La lame du couteau s'est cassée dans sa poitrine, c'est Monsieur Toomey qui l'a tuée. C'est pas vrai. Albert, tu viens avec moi. Brian, faites chauffer les moteurs et gardez-la jusqu'à ce que Dina soit à bord. Monsieur Jenkins, mettez-vous en bas des marches pour surveiller Monsieur Toomey. Dépêchons-nous. C'est rien. Ça va aller, t'es calme. Allez-vous-en. Chut, reste tranquille. Ne parle pas, ça va aller. Salut, Dina. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va te remettre sur pied en deux temps, trois mouvements. C'est douloureux? Oui, c'est douloureux quand je respire. Ça t'oblige à tousser, c'est bien ça? Oui. Enfin, je crois, je suis pas sûre. Bon, essaie de ne pas tousser. Si tu sens que ça te chatouille ou que ça te gratte, il faut que tu essaies de penser à autre chose. Et ne parle plus maintenant. Écoutez-moi. Elle a une hémorragie interne. Si on n'enlève pas la lame du couteau tout de suite, la petite va se noyer dans son propre sang. Monsieur Warwick, allez me chercher les nappes dans le petit bar qui fait le coin. Allez, vite, dépêchez-vous, rapportez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites? Je choisis l'instrument de chirurgie qui convient. La vue du sang vous fait peur? Non, ça va, je peux faire face, s'il le faut. D'accord. Vous serez mon infirmière, alors. Entendu. Tout va très bien se passer, Dina. Je vais préparer tout ça et bientôt tu courras, je te le promets. Il se rapproche. Vite, il faut vous dépêcher. Oui, je sais, ma chérie. Je sais. C'est bien, Craigy, chérie. Reste assis là, dans le noir. Quand le moment sera venu, je te dirai. D'accord, d'accord. Tout ce que tu voudras. Oh. Bien. Il va nous falloir une civière pour la monter à bord. Albert, toi et Monsieur Gaffney, vous allez vous occuper d'en trouver une. Monsieur Gaffney, vous voulez jeter un œil derrière le bar? Vous y trouverez sûrement deux couteaux bien aiguisés. D'accord. Est-ce que je peux me servir d'une nappe, là? Oui, pourquoi? Regardez. Quand j'étais gosse, on jouait souvent à Indiana Jones. J'ai fait ce truc-là une fois et j'ai failli casser le bras de mon frère. Parfait. Mais rappelle-toi, ta mission n'est pas de refaire prisonnier Monsieur Toomey. Ta mission est de trouver une civière aussi vite que possible et de la ramener au pas de course, t'as compris? Mais si vous n'avez rien trouvé dans les 10 minutes, vous revenez, je m'occuperai de la faire monter à bord. Mais si elle a une hémorragie, nous ne pouvons pas la transporter. On n'a pas le choix. Il faudra bien la monter d'une manière ou d'une autre. 10 minutes, c'est tout ce que je peux leur donner. Je sais, mais elle a une hémorragie interne. Laurel, il faut l'écouter. Allons-y, mon vieux, il n'y a pas une minute à perdre. Comment tu te sens? Ça fait mal. Il faut être courageuse, ma chérie. Tu as un petit bout de lame dans ton corps, il faut à tout prix que je l'enlève. Mais ça, tu le sais déjà. Oui. J'ai peur. Moi aussi, Dina. J'ai peur, moi aussi. Pliez ces deux nappes en carré, il faut que ce soit très épais. Vous, rapprochez-vous de moi. Monsieur Warwick, votre ceinture. Écoutez-moi. Je vais saisir la lame avec la pince et la sortir. Au moment précis où elle sortira, je veux que vous jetiez un bandage sur la plaie. Et vous appuyez fort, vous avez compris? Oui. Seigneur, aidez-moi. Pas de ça, arrêtez tout de suite, vous entendez? Ne me faites pas ça! Allez-y! Appuyez fort! Appuyez aussi fort que vous pouvez, vous entendez? Appuyez fort!
Allons voir dans cette salle. Tu crois que c'est ouvert? Je vois qu'un seul moyen de le savoir. Hé, regarde petit. La voilà, notre civière. Faites attention, il est ici! Ah! C'est pas vrai, ne me dis pas le contraire. T'es un langolier, toi aussi. Il faut que je te tue. Désolé, mais je dois te tuer. Si tu te mets un petit peu à ma place, tu dois comprendre. Allez, soulevez-la un peu. C'est rien, ça va aller. Ma ceinture. Vous avez entendu? Vous croyez que Tommy les a attrapés? La ceinture! Bon, enroulez-la autour d'elle. Je veux que vous mainteniez la pression sur la plaie. Moi, je vais faire un tour en bas. Soyez prudent, je vous en prie. Vous en faites pas. C'est ce que je fais le mieux. Vous vous êtes très bien débrouillé. Merci beaucoup, Lauren. Il va... Il ne faut pas le tuer. Mais pourquoi? Ce fumier t'a poignardé, Dina. Tout ce que je sais, c'est qu'on a besoin de lui. Vous comprenez? Nous avons besoin de lui. Il faut écouter ce qu'elle vous dit, Nick. Ça va aller. Tout ça. Ça y est. Commandant Engel? Oui. Pourquoi ils ne sont pas encore revenus? Je n'en sais rien. Vous savez, j'ai demandé à Bob, enfin à Monsieur Jenkins, s'il avait vu quelqu'un bouger là-bas dans le terminal et il n'a rien vu. Et s'ils étaient tous morts? Non. Non, je suis certain que non. Vous pouvez le rejoindre en bas de la passerelle si vous n'êtes pas bien ici. Est-ce que vous avez la trouille? Oui. Oui, j'ai peur. C'est nul, mais je me sens mieux. On se pose des questions quand on est seul à voir la frousse. Mais je vous en prie, c'est épatant. Aucun signe? Vous avez vu personne? En fait,
fait, ça dépend de ce que vous entendez par signe. Je viens de percevoir une sorte de cri juste avant que vous descendiez de la passerelle. J'espère que Dina va s'en sortir. Mais ce mal barré, je vous assure qu'il l'a seulement amoché. Est-ce que vous avez vu le commandant ? Ouais, il programme ses instruments dans son cockpit. Oui, je l'espère. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ma chère enfant, je prie pour que nous n'ayons jamais à le découvrir. Albert ? Ça va, Albert ? Dis-moi, où est Monsieur Gaffney ? Il est dans le bureau du service de la maintenance. Monsieur Toomey se trouvait sûrement derrière la porte et il a tué Monsieur Gaffney parce que c'est lui qui est entré le premier. Si ça avait été moi le premier à entrer dans le bureau, j'étais cuit. Et ensuite... J'ai tué Monsieur Toomey. Parce qu'il m'y a obligé. Il m'a menacé avec un couteau. Il en avait trouvé un autre quelque part. Il s'est mis à me courir après. Albert. Albert. Allons, calme-toi. Il faut te reprendre, mon vieux. Ce sera dur. Très dur. Je suis un bon garçon. J'ai jamais tué personne. Je sais. C'est horrible. Je sais ce que tu ressens. Tu peux me croire. Mais il faut passer outre et te reprendre. Et il faut le faire vite. Les sons qu'on entend se rapprochent de nous. Tu as fait ça avec un grille-pain. Il n'est pas mort. Oui. Regarde toi-même. Il est dans les vapes, mais il est toujours là. Bon, allez, mon vieux, retrouvons M. Gaffney pour voir s'il est encore en vie. Est-ce que tu as trouvé une civière ? Hein ? La civière, Albert. Oh, oui, on l'a trouvé. Très bien, dépêchons-nous, allez. Reprends-toi et tout ira bien. Tu dois garder ton sang-froid. Garde ton sang-froid. Tu en sortiras. Viens m'aider. M'apporte la civière là-haut. J'arrive dans une minute. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais retourner dans le bureau et voir s'il n'y a pas autre chose d'intéressant. Je ne vous crois pas. Je ne t'y oblige pas, Albert. Je te demande juste d'apporter la civière là-haut. Et je vous rejoins dans un instant. Et ne te retourne pas. Et tu mérites pire que ça, sale fumier. Il ne faut pas le tuer. On a besoin de lui. Vous comprenez, nous avons besoin de lui. Nick ! Alors, dépêchez-vous ! Oui, j'arrive tout de suite. Ça y est, ils sont sortis. Je vous replace. Doucement, Albert. Bessani, faites attention. Aidez-moi à lui faire monter la passerelle. Comment elle va ? Elle est inconsciente, mais elle est toujours vivante. Où sont passés les autres ? Gaffney est mort. Et Toomey n'en est pas loin. Vous pouvez lever plus haut ? Attends.
On va la mettre par là. Doucement. Voilà. Descendez-la avec précaution. Attachez-la maintenant. Sa blessure est grave? Oui, sa blessure est grave. Elle va survivre au voyage? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis militaire, je ne suis pas chirurgien. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Ce petit voyage à travers le temps commence à me taper sur les nerfs. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je vais mettre les moteurs en route et me rapprocher le plus possible du réservoir de kérosène. Et pendant que je fais ça, vous quatre, vous amènerez le camion avec les tuyaux près de l'avion. J'en ai vu un garé sur l'autre piste. Vous avez compris? D'accord. Alors allez-y, Bessani, Monsieur Warwick, descendez avec eux. Dégagez l'avion de la passerelle et quand je l'aurai repositionné, ramenez-la sur l'entrée de l'avion. Allez-y. On va te ramener chez toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, regardez! Il fait déjà jour. Combien de temps a duré la nuit? Un peu moins de 40 minutes. Allez, allons-y. Ne perdons pas de temps avec ça maintenant. Craig? Craig Toomey? Hein? Laissez-moi mourir. Pitié, pitié, laissez-moi mourir. Que va-t-il arriver à Monsieur Toomey? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que quand ça a mal tourné pour lui, j'ai fait ce que vous et Dina vouliez. Je l'ai laissé par terre, inconscient. Voudriez-vous aller dîner avec moi? Si nous parvenons à rejoindre Los Angeles. Oui. Le temps va être long avant ce dîner. Oui, pour moi aussi. Si seulement nous pouvions le voir, nous saurions le combattre. Je ne crois pas, non? Allons-y. Tous ensemble. C'est bon! Allez! Par là! Avancez encore un peu! C'est bon là, ça va arrêter! Bessani, viens. Faut ouvrir ce couvercle. Nick, prenez ce tuyau là et fixe-le là-dessus. C'est emboîté? Ouais. Et voilà. Lequel vous voulez, commandant? Donne-moi d'abord celui de droite. Et maintenant, Brian? Je vais utiliser les moteurs pour faire monter l'essence dans les réservoirs. Combien de temps il va falloir? J'en sais rien. Une heure? Peut-être deux. Faut se dépêcher, je ne crois pas qu'on ait deux heures devant nous. On en a peut-être même pas une.
Craig, allez debout. Oh. Tu dois te lever tout de suite. Non, allez-vous-en, allez-vous-en. Je vous déteste, allez-vous-en. Craig, c'est eux qui sont venus. Tous les hommes d'affaires que tu voulais voir. Ils ont quitté Boston pour venir te rejoindre ici. Tu peux encore les voir. Si tu te comportes en homme et que tu te lèves. Me comporter en homme. Me comporter en homme. Écoutez, qui que vous soyez, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Viens, Craig. Dépêche-toi, ils vont repartir. Et les Langoliers n'attendent que ça. Tu dois te lever. Il le faut. Dépêche-toi, Craig, allez debout. Par ici, Craig. Il t'attend pour commencer la réunion. Je ne vous en veux pas, Monsieur Toomey. Malgré ce que vous avez fait, je ne vous en veux pas. Nous avons besoin de vous, alors je vous en prie, venez vite. Venez vite. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Les moteurs ont goûté le nouveau kérosène et ils l'aiment pas du tout. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Laissez les deux autres moteurs continuer d'alimenter les pompes et espérer. Ça y est, les moteurs ne tournent plus. Nous allons devoir attendre que le nouveau kérosène se transforme au contact de notre avion. On dirait que la chance nous sourit pour une fois. Oui, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tout est OK? On va pouvoir tenter le coup, ça fonctionne. Tu les as amenés, c'est ça? Le président du conseil, les directeurs généraux des sociétés. Tout le gratin est présent. Oui, mais il faut te grouiller, mon vieux. Sinon, ils vont annuler la réunion et repartir. Oui, c'est par là, Craig. Ils sont tous au grand complet. Dépêche-toi. Lina raconte des trucs bizarres. Je crois que la petite est en plein délire. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle s'éteint doucement. Je crois que tu dois te dépêcher avant qu'il change d'avis et qu'il reparte. Elle doit être en train de rêver probablement de ce type Craig. Craig Toomey. Elle en a parlé tout à l'heure. Oui. Je ferai tout ce que tu veux. Mais dépêche-toi, je sais que c'est dur. Mais t'as pas le choix, il faut y aller. Quand je vous disais qu'elle délirait... Non, vous n'y êtes pas du tout. Je crois que c'est en rapport avec... Avec quoi? Avec ce qu'elle a dit à Nick à propos de Monsieur Toomey. Que nous avions besoin de lui. Laissez-la se reposer, s'il vous plaît. Dina a besoin de dormir. J'espère que cet avion va bientôt décoller. Oh, merci, c'est gentil. Merci de me les avoir amenés sur un plateau. C'est ma dernière chance, tu sais. C'est ma dernière chance d'échapper à mon père et à tout le reste. Oui, je sais. Mais il faut que tu te grouilles, Craig. Dépêche, s'il te plaît, fais un effort. D'accord. Tout ce que tu voudras. C'est quoi ce truc là?
On aurait dit la chute d'un arbre ou quelque chose d'approchant. Il n'y a pas assez de vent pour ça. Non, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Oh, regarde là-bas. Il faut s'en aller d'ici, il faut s'en aller d'ici tout de suite. Non, arrêtez, pitié, je vous en prie, pas ça, arrêtez. On n'a plus beaucoup de temps maintenant. C'est bientôt fini. Environ 15 minutes. Vous devriez peut-être désenclencher le processus. Il me faut 7000 litres de carburant sur chaque aile, pas une goutte de moins. Sinon, c'est le crash assuré et l'explosion. Dépêche-toi, Craig. Regarde-moi. Redresse-toi maintenant, allez, debout. Regarde-moi. Ils ont parcouru tout ce chemin uniquement pour te voir. Va les rejoindre maintenant, allez! Allez, dépêche-toi. Vite, vite. Non, ne t'approche pas de l'avion, c'est absolument pas par là. Rejoins-les, dépêche-toi. Parfait. On découpe et on se tire d'ici. Monsieur Toomey! C'est Monsieur Toomey! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Peu importe, il est trop tard maintenant. On n'a plus une minute à perdre. Ah, Monsieur Toomey, enfin. Nous sommes contents que vous ayez pu venir. Alors, donnez-nous s'il vous plaît votre rapport, Craig. Dites-nous combien d'argent vous nous avez gagné. Bon, vous voulez savoir combien d'argent j'ai gagné pour vous? Vous voulez savoir combien de billets j'ai encaissé pour vous? Oui. Je vais vous dire combien d'argent j'ai gagné pour vous. J'en ai pas gagné. Non, Craig! La ferme! Boucle-la! Boucle-la! Dis-leur que tu as perdu l'argent, mais que c'est une erreur, un accident! Non! Je n'ai pas encaissé de billets pour vous! Je n'ai pas encaissé de billets pour vous! J'ai perdu de l'argent pour vous! J'ai perdu de l'argent pour vous! J'ai claqué 63 millions de dollars! Et je l'ai fait exprès! Je l'ai fait exprès! Je l'ai fait exprès! Tu es fou. Tu es un imbécile et un fou. Non. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Désolé, papa, mais tu me fais plus peur. Les Langoliers n'existent même pas. Tu les as fabriqués, tout simplement. Oh non. Où est-ce que je suis? Ok. Allons, vite, allons-nous-en d'ici. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces bestioles ?
Oh, pitié, Seigneur. Allez, venez! Dépêchez-vous, bon sang! On va décoller, attachez vos ceintures. Oh non, merde. Sani. Oh grand Dieu, regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Ils en avaient après Monsieur Toomey, et maintenant ils dévorent l'endroit où ils se trouvaient. Si Toomey n'était pas sorti de l'aéroport, ces monstres nous auraient attaqués, ils nous auraient dévorés, Lavius! Elle le savait. Dina le savait. Maintenant, nous savons tout. Quoi? Nous savons quoi? Nous savons ce qui se passe aujourd'hui, alors que nous sommes en fête hier. Cet endroit attendait ces monstres. Cet endroit attendait ces monstres. Les gardiens de l'éternité, toujours derrière vous pour contrôler, nettoyer le gâchis de la façon la plus efficace. En le dévorant. Monsieur Toomey connaissait ces monstres. Il disait qu'ils s'appelaient les Langoliers. Oh non! Oh non! Dépêche-toi, dépêche-toi! Ah! Ah!
Allez, vas-y. Monte! Allez, monte, vas-y, monte! Est-ce qu'on a réussi? On a quitté le sol? Mais qu'est-ce qui se passe? On s'écrase? Écoutez, mon vieux, taisez-vous, attachez votre ceinture et tout se passera bien. T'inquiète, je l'ouvrirai pas. Nous sommes partis. Vous connaissez tous la suite des opérations. Nous allons prendre exactement le même cap qu'à l'aller. Et espérer que le passage que nous avons traversé est encore là. Si tel est le cas, nous essaierons de le retraverser. Je vais voir à l'avant. Vous voulez venir ? Non, je vais rester avec elle. D'accord. Nous avons toujours un dîner ensemble. Vous n'avez pas oublié, j'espère. Non, je n'ai pas oublié. Et je n'oublierai pas. Moi non plus. Accroche-toi, Tina. Je t'en prie, accroche-toi. Qu'est-ce qui se passera si le kérosène redevient mauvais? Tu connais parfaitement la réponse, Bessany. Ouais, je la connais. C'est le crash, fin de l'histoire. Que tu voudrais bien m'embrasser. Oui. Alors, tu peux commencer maintenant, tu sais. Parce que tout à l'heure, il sera peut-être trop tard.
temps défile de plus en plus vite. Oui, en effet. Je crois que dans un moment, les jours et les nuits vont se succéder aussi rapidement que la chute du couperet d'une guillotine. Nous allions tous à Boston pour différentes raisons. C'était quoi les vôtres ? Allez-y, dites-moi. Le temps nous est compté. Après tout, pourquoi pas ? Qu'est-ce que des documents classés ultra secrets comparés à de terribles monstres aux dents très pointues, remodelant tout un monde ? Je travaille pour l'armée, je conduis des opérations secrètes, Brian. J'ai fait un bon nombre de missions bizarres. Elles étaient parfois inoffensives, parfois prodigieusement dégueulasses. Il y a un type à Boston qui est très connu dans le monde de la politique. Cet homme politique, je l'appellerai Monsieur Dupont dans l'intérêt de notre conversation, est vraiment très riche, Brian. Et cette huile est un fervent supporter de l'armée républicaine de notre belle Irlande. C'est aussi un idéaliste de la plus dangereuse espèce qui soit. Il fait partie de ces fous qui n'excluent pas le carnage de leur jolie théorie. Vous deviez éliminer cet homme ? Seulement si j'y étais contraint. En fait, notre Monsieur Dupont possède beaucoup d'amis américains très puissants, et ses amis sont nos amis. Donc éliminer ce cher Monsieur Dupont représenterait un trop grand risque politique. Mais en revanche, il vit le grand amour avec une superbe plante. C'est elle que j'étais supposé éliminer. Un avertissement ? Oui. Un avertissement. Bon, assez parlé de moi. Si on passait à vous, qu'est-ce que vous cachez tout au fond de vous ? Racontez. Moi ? Non. Non, vous savez, je n'ai rien à cacher. En cherchant bien, il y a peut-être quelque chose, oui. Mon ex-femme est morte dans un incendie à Boston. C'est la raison pour laquelle je m'y rendais. Notre mariage s'est mal terminé. On s'est terriblement disputé, les enfants. Je les voulais, bien sûr. Et elle a refusé. Et j'ai commis un geste. Que je regrette encore aujourd'hui. J'ai souvent voulu lui dire que je regrettais. Mais je crois que j'ai attendu trop longtemps. Je pense que vous ne devriez pas trop vous morfondre, Brian. Je suis persuadé qu'elle vous a pardonné. Si vous arrivez à vous en sortir, si nous parvenons à rentrer, vous conclurez votre mission ? Vous tuerez la fille ? Non. Non, terminé. Plus de cauchemars la nuit pour le petit Nicolas de Madame Hopewell. Si nous sortons sains et saufs de tout ça, perspective que je trouve plutôt incertaine pour le moment, je pense que je raccrocherai. Pour faire quoi ? Eh bien, je pourrais apprendre à piloter. Laurel. Chut, Dina. Ne parle pas. Tout ira bien. Tu vas rentrer dans ta maison et guérir, je te le promets. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, Laurel. J'ai eu tout ce que je voulais. Dina. Dina. Tu dois rester tranquille. J'ai vu à travers les yeux de Monsieur Toomey, c'était... Au début, tout lui semblait méchant. Il voyait tout noir. Mais c'était beaucoup mieux à la fin. S'il te plaît, Dina.
Il ne faut plus parler maintenant. Je t'ai vue, Laurel. Tu étais belle. Sur tous tes yeux. Tout était vraiment merveilleux. Même les choses qui étaient mortes. Tout était tellement merveilleux. Merveilleux à regarder. Dina. Respire, Dina. Je t'en prie. Je t'en prie, Dina, respire. Respire. J'ai vu à travers les yeux de Monsieur Toomey. Tout était merveilleux. Même les choses qui étaient mortes. Tout était tellement merveilleux. Merveilleux à regarder. J'essaierai de m'en souvenir. Petite Dina vient de s'en aller. Elle n'a pas supporté son opération. Non. Je crois que c'est clair. Et Laurel, ça va? Oui, plus ou moins. Laurel vous plaît beaucoup. J'ai quelques copains au pays qui pourraient trouver ça amusant que je sois tombé sur une chic fille, mais c'est pourtant la vérité. Cette femme a de la personnalité. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonnes choses. Bon, si on revenait à notre retour sur la Terre. Hein? Nous allons bientôt arriver ici. Là, vous voyez ? C'est à cet endroit que la déchirure du temps devrait se trouver. Vous voulez bien ouvrir l'œil pendant que je pilote l'avion? Bien sûr. J'aurais seulement souhaité savoir ce que je dois chercher. Je crois que vous le saurez quand vous le verrez. Si vous le voyez. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais rien. Et c'est tout le problème, mon petit Albert. Il y a un élément qui cloche, quelque chose qui cloche vraiment, mais je n'arrive pas à trouver ce que c'est. Brian? Oui. Je vois quelque chose de bizarre. Dieu tout-puissant. Ça y est, on va pouvoir traverser. Votre attention, s'il vous plaît.
Nous venons de trouver précisément ce que nous cherchions. Je vais nous faire traverser en plein milieu de cette chose. Et nous découvrirons ce qui se trouve de l'autre côté. Non, arrêtez! Arrêtez! Il ne faut pas! Non! Arrêtez! Continuez, je veux voir ce qui se passe. Arrêtez, non! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne pas y aller! Quoi? Il ne faut pas y aller! On ne peut pas traverser cette la poche! Calmez-vous! Je vous en prie, lâchez-moi! C'est pas le moment! Dites au commandant de ne pas y aller! On va tous crever! Écoutez-moi! On était tous endormis, vous pigez! Nous étions tous endormis quand on a traversé la déchirure du temps! Bon sang, non! Évitez-la, Brian! N'y allez pas! Tournez! Nick, ça va? Oui. J'ai vu des jours meilleurs. Je pense que je me suis cassé le bras. On a pu l'éviter, n'est-ce pas? Oui, de justesse, mais pourquoi? On a fait tout ce chemin pour rien. On a réussi à l'éviter, pas vrai? On l'a évité. On a eu chaud. Bravo. Vous permettez? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Écoutez-moi tous. Nous avons réussi à détourner l'avion in extremis. Nous avons eu beaucoup de chance. Et moi, j'ai été particulièrement stupide. Je m'explique. Quand on a traversé la déchirure du temps pour la première fois, tous les passagers qui étaient réveillés à bord de cet avion ont disparu. Nom de Dieu. Nous sommes tous éveillés en ce moment. Oh, non, arrête. Il faut donc en déduire que si nous essayons de retraverser la déchirure éveillée, nous aussi, nous disparaîtrons. C'est tout. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Expliquez-nous ce qu'on va faire maintenant. On est obligé de dormir, c'est bien ça? Et comment on va faire? Je me suis jamais sentie aussi insomniaque de toute ma vie. Je ne sais pas ce qu'on doit faire, mais si nous voulons traverser ce trou, il faudra le faire très bientôt. Nous avons du kérosène pour voler encore une heure, pas plus. Non, attendez. Il doit y avoir d'autres terrains d'aviation près d'ici. Oui, bien sûr, mais ils ne sont pas assez grands pour accueillir un avion de cette taille. Nous devons nous rendre à l'aéroport de Los Angeles. Et il me faut environ... Il me faut bien 35 minutes pour y aller, ce qui nous laisse au bas mot 20 minutes pour trouver une solution et traverser le trou. La question, c'est de savoir comment faire pour que tout le monde s'endorme au même moment. Vous oubliez une question encore plus fondamentale. Admettons que vous trouviez le moyen de tous nous endormir. Qui va faire atterrir l'avion à l'aéroport de Los Angeles? Cette fois-ci, je crois qu'on est cuit. J'ai terminé. Il doit sûrement y avoir une solution. Elle existe, j'en suis persuadé. Réfléchissons. Il existe une solution. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, Brian? Qu'est-ce que vous venez de trouver? La pression. Voilà ce que je viens de trouver, la pression. Évidemment, la pression. Ça vous ennuierait, messieurs, de me dire de quoi vous parlez? Je parle de réduire la pression des cabines jusqu'à environ 7 PSI, la moitié du niveau de la mer. Je fais ça et on tombe comme des mouches aussitôt. La seule question qui reste en suspens, c'est celle de Laurel. Comment vais-je me réveiller
après avoir traversé pour reprendre les commandes. L'un d'entre nous va devoir rester éveillé et remonter la pression des cabines juste avant qu'on traverse cette fissure temporelle. Ainsi, L'un d'entre nous va devoir mourir. Mais qui va faire ça? Vous voulez qu'on tire à la courte paille? C'est inutile. Je vais le faire. Non! Pourquoi ce serait toi, Nick? Pourquoi ne pas tirer à la courte paille? Pourquoi pas Bob ou Albert ou moi? Viens avec moi une minute. Nick, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je sais. Mais il reste encore des choses à faire. Laurel, je crois que nous sentons quelque chose l'un pour l'autre. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis dans le vrai? Dis-moi. Le temps nous poursuit, ne parlons pas à demi-mot. Oui, je crois que tu as raison. Mais nous n'en sommes pas sûrs, on ne peut pas le savoir. C'est au temps qu'il appartient de décider, pas vrai? Encore le temps, l'inconnu. Mais il faut que ce soit moi, Laurel. Tu sais, je me suis efforcé au cours de ma vie de faire des bilans sur ma personne, et aujourd'hui il apparaît qu'ils sont profondément dans le rouge. C'est ma seule chance de tout rééquilibrer, je dois la saisir. Non, attends, je ne comprends pas pourquoi. Écoute, j'aurais aimé tout te raconter sur moi, mais on n'a plus le temps maintenant. Tu pourrais me rendre un service un peu particulier, si bien sûr tu parviens à t'en sortir. Oui, oui, vas-y, dis-moi. Nick ? Oui, j'arrive. Écoute-moi bien attentivement. J'étais sur le point de démissionner. J'avais réfléchi, ma décision était prise. Démissionner de quoi ? Peu importe, l'important c'est que tu me crois. Tu me crois, n'est-ce pas ? Je ne sais pas du tout de quoi tu me parles, mais bien sûr, je crois ce que tu me dis. Nick, on se dirige droit sur la déchirure. Ça va, j'ai compris, j'arrive tout de suite, bon Dieu. Écoute, mon père habite dans un petit village à Flutting, c'est à environ 12 km au sud de Londres. Tu demandes après lui dans les boutiques de la rue principale, Monsieur Hopwell. Les anciens l'appellent encore le contremaître. Tu le trouves et tu lui dis que je voulais démissionner, il te faudra bien insister. Il a tendance à tourner les talons et à se mettre à jurer quand il entend parler de moi. Tu auras la patience? Oui. Bien. Tu vas lui répéter tout ce que je t'ai dit. Et ajouter que je t'ai pleinement convaincu. Tu lui dis que j'ai essayé de me racheter du mieux possible du triste événement qui s'est produit à côté de l'église de Belfast. À Belfast? Oui. Et si tu n'arrives pas à te faire entendre, tu vas lui rappeler qu'il doit écouter à cause des roses. Il est obligé d'écouter parce que j'ai apporté des roses. D'accord, parce que tu lui as apporté des roses. Non, 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 pas à lui. Mais ça suffira. Tu arriveras à te rappeler tout ça. Oui, non, ça va aller. Je te remercie beaucoup, Laurel. Nick ! Ça va nous faire comment ? Comme si on suffoquait ? Non, non, vous vous sentirez un peu étourdi. Juste assez pour avoir la tête qui tourne. Et ensuite, plus rien. Bon, qui sait, je serai peut-être encore parmi vous. Les mauvais bougres ont parfois des remises de peine, n'est-ce pas? En effet, tout est possible. Soyez gentil, allez vous asseoir. Nick, mettez-vous à côté de moi. Je vais vous montrer la manipulation. Encore une seconde, je vous prie. Tu as décidé de démissionner. Tu as mûrement réfléchi. Et si ton père ne veut pas écouter, je dois lui rappeler ce jour où son fils a apporté des roses. C'est bien ça. C'est tout simplement parfait, mon amour. Celui-là, je suis sûr qu'il... Il durera toute la vie. Et...
peut y aller? Allons-y. J'entame la phase de diminution de pression. Surtout, attachez bien vos ceintures. Attachez la vôtre aussi. Prenez votre masque à oxygène. Je sais. Ça va aller. Vous pouvez dormir. Et surtout, faites de beaux rêves. Albert, est-ce que tu pourrais me prendre dans tes bras? Oui. D'accord, si tu me prends dans les tiens. Nick, je veux te dire, je veux te dire merci. Je t'ai employé, mon vieux. Tu te rappelleras longtemps de ce vol. Ça te fera de belles histoires à raconter à tes petits-enfants. Tu as raison, Brian. C'est magnifique, c'est pas étonnant. C'est peut-être là où toute la vie commence. Le berceau de la création, la source intarissable de la vie. Aucun langolier n'est autorisé à emprunter ce passage. C'est si magnifique! Allez, répondez. Attention ici, l'American Pride, vol 29, c'est un cas d'urgence. Je répète, American Pride, vol numéro 29.
Tour de contrôle de LA, on approche de la piste, atterrissage d'urgence. Arrêtez! Laissez tomber! Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. On va entrer dans une zone de trafic intense. Qu'est-ce que vous racontez? Enfin, il n'y a pas de trafic intense au sol. Vous êtes aveugle, regardez vous-même. Nous sommes bien à Los Angeles. Mais qu'est-ce que vous voyez à travers votre vitre? Je vais vous le dire. Rien. Rien du tout. Tenez, mettez ça. Attachez celle-là aussi. Attention, atterrissage imminent, bouclez vos ceintures. Allons-y. Le camion. Oh merde. J'ai bien cru que j'allais jamais pouvoir l'arrêter. Vous auriez dû nous laisser nous écraser. Tout ce que nous avons essayé, Dina, Nick, ça n'a servi à rien. C'est exactement la même chose ici. La même chose. Venez, on va aller voir les autres. Allons dans l'aéroport. On va se servir de la sortie du cockpit cette fois-ci. Merci. Attendez, c'est quoi ce bruit? On dirait comme de l'électricité. Non, je ne crois pas que ce soit de l'électricité. Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, néanmoins. Je ne me souviens pas avoir déjà entendu ce bruit.
On pourrait peut-être essayer la porte de service de la piste. Non, attendez. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez, Bob ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois un aéroport complètement désert, mais cette odeur, vous ne sentez pas ? Du kérosène ? De l'huile ? De la gomme ? Je sens aussi l'air marin. Oh la vache ! Mais oui ! Ce n'est pas tout. Écoutez. Vous avez entendu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'y comprends plus rien. Si tout redevient normal, pourquoi on n'a vu aucune lumière quand on a atterri ? Et puis, il n'y a pas un pic. Et pourquoi ce bruit ? On dirait qu'il se rapproche. Allons voir si nous pouvons entrer dans le terminal. Attendez une minute. Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Avant tout, il faut que j'aille dans le terminal afin d'y jeter un coup d'œil. Suivez-moi, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il y a une autre porte là-bas. Tiens, Albert, ouvre ça vite. C'est délicieux, c'est absolument délicieux! Excellent. Écoutez-moi, il y a toutes les chances pour que cela se produise très bientôt. Mais il serait plus sage de ne pas rester ici, parce que ça pourrait être un peu dangereux. Venez avec moi. Mais qu'est-ce que... Venez avec moi. Venez par là, venez. Ici, mettez-vous contre le mur. Je crois que nous serons bien ici, à l'écart du flux des voyageurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand nous avons traversé la déchirure du temps, on l'abordait par l'est. Nous nous sommes retrouvés dans le passé d'à peine 15 minutes, vous vous souvenez ? Oui. Et maintenant, on est dans le futur. C'est ça, la déchirure du temps nous fait maintenant voyager dans le futur. Je le crois, oui. Seulement, nous ne sommes pas retournés vers un monde froid qui a poursuivi son chemin sans nous. Nous sommes retournés vers un monde qui ne demandait qu'à éclore. Regardez ! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est merveilleux. Merveilleux. Cette fois, le présent est sur le point de nous rattraper. Attention, accrochez-vous. Il pourrait y avoir une secousse. Oh. Regardez, Brian, regardez. Attention, vol 6500. Où sont les bagages. Hé, regarde, papa. Papa ! Papa ! Quoi ? Arrêtez, je cherche votre mère. Les nouveaux gens ! Regarde les nouveaux gens ! Oui, bah allons-y. Suivez-moi, on va chercher votre mère. Vous avez entendu ? Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Ouais. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on est ? Des nouveaux gens ? Incroyable, nous sommes des nouveaux gens. J'en sais rien, mais ça en a tout l'air. C'était magnifique. Bon sang, j'ai jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi gigantesque. Cool. Commandant, que devrions-nous faire maintenant ? Moi, j'ai envie d'aller dehors, respirer un peu d'air pur. Ouais. Et regarder notre ciel. D'accord, mais il faudrait peut-être avertir les autorités. Oui, de notre oui, nous le ferons. Nous le ferons, le ciel d'abord. On pourrait manger quelque chose sur le chemin. Oh, oui, pourquoi pas. Hé, hey, maman, de s'arrêter, commandant. Hein ?
La mienne aussi. Ah oui. Décampons d'ici, voulez-vous? À moins que l'un d'entre vous veuille prendre le prochain vol. Pas maintenant, mais bientôt. J'irai faire un séjour en Angleterre. Il y a un homme que je dois aller voir là-bas à Floating. Les anciens du village l'appellent encore Monsieur le Contremaître. Non, attendez, Laurel, de quoi vous nous parlez? De Rose. Je vous parle tout simplement de Rose. Allez, venez. Allons-y, allez. Allons-nous-en. En ce qui me concerne, la prochaine fois que j'irai à Boston, vous pouvez être sûr que j'irai par le train. Non. Je vois vraiment pas pourquoi vous dites ça. C'est génial, je ne crois pas. Pourtant, il le faut. Oh, je suis si heureuse. Ouais.